des Yankees. Chinko, cho, cho, chinko. Baby, baby, no more bicycle, bicycle. Joe, make it look up.
I got my tools around me. If you come around me, you gon' make you be around me. Mama, you okay now? Okay now. You safe now? Save me. You in better place now? Place now. Oh, Lulu, fail me, you. Mama, you okay? Papa, don't care. C'était tellement dur. Qui va là? Vas-y, ouvre le portail. Allez les filles, allez ma tante dans d'accord, la voiture. D'accord. D'accord. Qui est-ce? Wow. T'es sérieux? Donc c'est pour ça que tu n'es pas venu à l'aéroport m'attendre, me chercher ou même décrocher mes appels? Je suis désolé, j'avais ma fête d'anniversaire avec mes amis. Oh, c'est évident, je vois ça. Je vois ça, dois-je te rappeler que c'est pour la même raison que tu étais rapatrié des États-Unis? Toujours à cause des femmes. Pourquoi viens-tu Aguna, me rappeler? J'ai trop honte de toi. Pourquoi tu veux m'embarrasser devant mes amis? Quel ami? Ces filles d'un coup d'un soir? Tu es trop pathétique. Sacha! Ouvre. Sacha! Sacha, pourquoi... Sacha! Pourquoi l'as-tu ouvert le portail? Ce n'est rien de grave. Ok. Ok. Allô, ma puce. Je viens juste d'arriver. Tu ne croiras pas ce qui vient de se passer. Je sors de la maison d'Aguna. Je n'arrive pas à croire que c'est à cause de ces deux filles qui m'a laissé à l'aéroport. Il n'est pas venu à l'aéroport pour m'attendre ou même me chercher. Il n'est même pas venu chez moi ou à l'hôtel pour venir me voir. Il n'a même pas pris mes appels. C'est la même raison qu'on l'a rapatrié des États-Unis. J'arrive pas à croire que j'ai perdu mon temps avec lui. Franchement, j'ai perdu mon temps avec lui. Tu sais qu'il aime les femmes, deux filles en même temps. C'est ce qu'il fait. Pas de problème, je vais refaire ma vie. Je vais refaire ma vie. Pas de problème. On se reparle plus tard. Bye. Est-ce que quelqu'un est venu me chercher? Non, non, monsieur. Tu es sûr? Oui, monsieur. Pardon, excuse-moi, tu peux rentrer. D'accord, monsieur. Salut, bébé, comment tu vas? Ouais, je suis à la maison, je suis chez moi. Ok, tu es déjà en route. D'accord, c'est bon, je t'attends, bébé. D'accord. Oui, monsieur. Oui, je suis déjà à la maison. Pas besoin de transférer, je le veux en liquide. D'accord. Entre. Oh, wow.
petit cœur. Tu m'as trop manqué. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as vraiment manqué. Comment tu vas? Je vais bien. Allez, vas-y, entre. Oh wow. Mon Dieu. Content de te voir enfin à la maison. Comment va l'école? L'école va bien. Tu sais que je suis à ma dernière année, non? Mm-hmm. Alors, je prends les choses vraiment au sérieux parce que je ne veux pas être distraite. J'ai confiance en ma chérie. Ah. Ne t'inquiète pas, allons-y dans la chambre. Maintenant, tu prends ta douche. Mm-hmm. Ensuite, tu prends un peu d'alcool. Mm-hmm. Et enfin, on passera la nuit dans mon lit. J'ai trop hâte de jouer dessus, bébé. Mm-hmm. Je vais t'envoyer au 7e ciel. Ma puce, tu vas crier comme jamais ce que je vais te faire. Oh, bébé. Oh, mon Dieu. Qui va là? Ah, monsieur, entrez. Bon après-midi, monsieur Aguna. Bonsoir et bienvenue. Merci. Allez-y, prenez place. Merci. J'espère que les 12 millions de Naira sont complets. Oui, ils sont complets. Bien, bien. Monsieur, puis-je vous poser une question? Bien sûr, allez-y. Je suis votre ami et votre conseiller financier. Bien sûr. Vous savez que la semaine dernière, vous avez fait un retrait de 15 millions. Et il y a 3 jours, c'était 8 millions. Maintenant que vous avez vidé votre compte, j'espère que vous ne faites pas un mauvais investissement, parce que je suis inquiet. Monsieur, tu ne sais pas que le fait de t'asseoir avec moi et d'avoir une conversation est un privilège? Oui, je le sais. Et là, tu as abusé de ce privilège. Où étais-tu avec tes conseils quand je gagnais mon argent? Monsieur... Qu'est-ce qui te fait croire que tu as le droit de me dire comment dépenser mon argent? Je veux juste m'assurer que vous ne faites pas un mauvais investissement, parce que je m'inquiète pour vous. Ce n'est pas ton problème. Ok? Le jour où tu auras ton propre argent, tu pourras te soucier de comment le dépenser. Monsieur... J'ai dit... Je veux juste m'assurer que vous ne faites pas de mauvais investissements parce que je me fais du souci pour ne vous. Ne t'en fais pas. Je me fais réellement du souci. Je suis capable de gérer mes affaires. Ok? Chérie? Oui, chérie. Il y a un souci? Non, mon gestionnaire est arrivé. Il était sur le point de s'en aller. Tu peux partir maintenant. Bien. Merci, monsieur. Merci. Regarde-moi ce bonarien. Quelqu'un qui n'est même pas assez qualifié pour être le directeur d'une microfinance. Il veut me donner des conseils sur la manière dont je dois dépenser mon argent. Ce n'est pas possible. Oh. Bébé, calme-toi. Ne le laisse pas t'énerver de la sorte. Bien sûr que non. Écoute, allons dans la chambre. Terminez ce qu'on a commencé. Retournons à nos moutons. Allons-y. Aide-moi à porter mon sac. Oh. Elumelu egwem. Agunaya. Elegunawo. Agunaya. Oh, le grand seigneur. Bienvenue, mon ami. C'est comment, mon frère? Je vais bien. Allons à l'intérieur. Où est-ce qu'on va, mon frère? Mais restons ici. Tu es sûr de ça? Tu ne sens pas la brise? Abio. Oh. Alors, comment ça? Oh, mais je suis là, frère. Je me bats, je pousse. Tu sais comment est le pays, frère. Je t'assure. Alors, comment tu vas, toi? Elumelu. En fait, j'ai demandé à te voir parce que les choses ne vont pas bien chez moi. À l'heure où je te parle maintenant, je suis fauché. Mes affaires s'effondrent. J'ai essayé d'obtenir des prêts, personne ne veut m'en donner. Les choses ne font qu'aller de mal en pire, je ne sais pas comment résoudre ce problème. Je me demande si, en tant soit peu, tu peux m'aider. Agunaya, tu es ton propre problème. Oui! Regarde comment tu dépenses de l'argent imprudemment. Avec les femmes à gauche et à droite. Si ce n'est pas 2, c'est 3. Si ce n'est pas 3, c'est 4. Tu es un grand espère en partouze. Tu dois arrêter, tu dois réguler ta façon de dépenser de l'argent. Elumelu, c'est pas parce que je te demande de l'argent que tu vas m'insulter. Je suis venu ici pour m'insulter. S'il te plaît.
Je ne veux pas de problème avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu ne veux pas aider ton ami, dis-le, cesse de m'insulter. Oui, je n'ai pas d'argent, ok? Je n'ai pas, je n'ai pas d'argent. Oui, je n'en ai pas. Ok, merci. Pour te dire vrai, je cherche même où est-ce que je peux emprunter de l'argent. C'est pour ça que je suis là, je pensais que tu pouvais me prêter de l'argent. Hein? Écoute, tu dois arrêter de faire ça. Je te laisse seul ici. Agunaya. Agunaya, je continuerai à te parler tous les jours et tout le temps. Agunaya, mais écoute-moi. Je suis en train de te parler. Reste loin de moi. Papa, attends. Papa, depuis 6 mois déjà, Aguna n'a pas appelé, ni venir ici. Ah, ah. Mais si c'était pour de l'argent, il devait appeler. Oudé, est-ce pour ça que tu m'as arrêté? Parce que ton frère n'a pas appelé. Bon, écoute. Tu sais que c'est un homme très occupé. Et il appellera certainement quand il aura le temps, hein? Papa, oublie le temps. Il n'a pas le temps d'appeler, mais il appelle pour de l'argent. La seule raison de ses appels. L'argent. Je sais de quoi je parle, papa. Tu parles de Aguna, ton frère, et qu'en est-elle de Meso? Quand a-t-elle appelé la dernière fois? Papa, tu sais que Meso est à l'école. Et elle n'est libre que quand le semestre finit. Mais Aguna, il n'est pas étudiant. Il a le temps, juste pour l'argent. Hey. Oudé, mon fils. Écoute, laisse-moi te dire un truc. Vous êtes tous mes enfants. Et sincèrement, je vous aime tous. Donc, ne t'en fais pas. Ils viendront ou appelleront quand ils pourront. Ok? Moi, je sais ce que je dis, papa. Laisse tomber. Allons-y. Allez. Parmi vous deux, qui est venu en premier? Oui. C'est toi, viens. Jet, Jet. Hey. Ma fille. Oui, monsieur. En quoi est-ce que je peux t'aider? Je m'appelle Alice. Je suis sortie avec un homme ces dernières années. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Je veux juste qu'il vienne m'épouser. Pour que les gens arrêtent de jaser. S'il vous plaît. Alors, si je comprends très bien, tu sors avec cet homme depuis 7 ans et tu voudrais qu'il t'épouse. Eh oh, ouereguase, qui est né? Aro burago, waregane no, waresiane. Tu as dit que tu t'appelles Alice? Alice, oui, Alice. Ok, Osiano Alice. Elle dit qu'elle s'appelle Alice. Hein? Elle voudrait que son petit ami l'épouse. Alors, essaie de nous dire. Quoi, Naya? Montre-moi tes pommes de main. Mon fils. Monsieur. En quoi est-ce que je peux t'aider? Je m'appelle Chuka. Mes amis m'appellent l'homme qui tient ses promesses. Vous savez, je ne parle pas beaucoup. Ce que je veux est très simple. Et si jamais vous pouvez faire ça pour moi,
Je vais transformer votre antre en palais. Je ferai de vous le marabout le plus riche de ce pays. Vous savez ce que je veux est très simple. Il y a un ami à moi. C'est mon partenaire d'affaires. Nous avons tous les deux investi dans une affaire. Mais vous savez quoi? Je l'ai introduit dans cette affaire. Mais l'argent que mon ami a investi est plus que l'argent que j'ai investi. Ce qui ne me réjouit pas du tout. C'est simple, je veux que vous le tuiez. Pardon? Pardon? Écoutez, ce que je veux dire, c'est que vous le tuiez. Afin que tout cet argent me revienne. Oui, c'est ce que je veux. Ebeiru de la ho, Ebeiru de la ho, Ebeiru de la, Adeiru de la nono, oh. Mon fils, laisse-moi te dire que bien que les vautours et les aigles se ressemblent, tu ne peux jamais comparer un vautour à un aigle. Si je te comprends très bien, tu as fait une transaction d'affaires avec un ami. Et c'est toi qui as porté l'affaire. Exactement. Et il a le plus gros investissement. Oui. Et tu veux qu'il meure. Tuez-le. Je voudrais aussi te rappeler que je suis dans ce business depuis plus de 40 ans. Et je n'ai jamais tué. Et j'interdis le meurtre. Ce que tu t'apprêtes à faire est très mal. Ne tue pas. À cause de Némésis. Maintenant, va-t'en. Je crois être au bon endroit. Ebaïrou dele, ho, Ebaïrou dele, Adenou dele, donou, ho. Mon fils soudé. Durant ta vie, ne pense jamais à verser le sang. Quand je ne serai plus, rappelle-toi de ça. Ne tue pas. Donc c'est vrai que cette fille est allée à l'étranger. Allô? Tu te rappelles de la fille que j'ai dit que je devais épouser? Exactement. Je ne t'ai pas dit que je lui achète une voiture de peur que tu ne me blâmes. Mais je l'ai fait. Mais la partie la plus choquante, c'est qu'elle a vendu cette voiture. Et a voyagé pour l'étranger, à mon insu. J'ai rencontré le mec qui conduisait cette voiture et il m'a confirmé qu'elle la lui a vendue. Comment les gens peuvent être aussi méchants? Comment? Je... Mémé. Papa. Tu dis que tu repars à l'école aujourd'hui? Demain. Papa, j'ai fait un effort. Ah, c'est d'accord. Ça, c'est le chez-toi. Tout ce que tu as à savoir, tu ne dois jamais traîner le nom de cette famille dans la boue. Tu sais exactement d'où tu viens.
Quand tu retourneras à l'école, concentre-toi. Je t'en prie. D'accord, papa. Ah. Je promets de ne pas décevoir cette famille. J'ai confiance en les capacités de ma fille. dis-moi, tu as dit aujourd'hui ou demain? Papa, j'ai dit demain. Oh, demain. Papa, quoi? C'est juste que tu me manques déjà. Je comprends. Écoute, papa, je viendrai de temps en temps pour te rendre. C'est d'accord, ma chérie. D'accord. Mes dieux te béniront pour moi. Amen. Amen. Je rentre à la maison pour faire ma valise. C'est d'accord. Ok? Salut. Salut, Yagunaya. Comment tu vas? Ça va. Qu'as-tu découvert concernant Jennifer? Jennifer n'est pas à l'école. En réalité, elle est chez un mec à Abuja. Es-tu sérieux? Oui. Mon Dieu. Si tu apprenais à écouter les conseils... Mon Dieu... Laissons tomber. Alors, dis-moi, est-ce que tu as eu l'argent que tu voulais? Pas encore, je n'ai pas pu avoir. Tu as pu trouver un endroit où je peux avoir un prêt? Non, j'ai juste vu quelques amis. Ne t'en fais pas, tu vas trouver quelqu'un. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu prends? Donne-moi la même chose. Barman! Hey, barman! Anabara gobinao, okodu gobora ga kulunenya. Big baraba go baga kadiko go. Muraga odegu. Nabunagu. Agoramanaga gamanaga managonukwanya. Abanamonun sagonabangonganangso. Ah, Roma Kunyamo! Roma Samagan Kunan Menene! Roboku Nanya Kuromo! Roboko Babana Mene Mana Monoko! Nago Go Bana Monoko! Mana Kunan Mana 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 Wanyana kana haka mumu hunja bantaga o Duko akaka malakana mutaka waka o Madumba madubaka o Asapa ba ziba ba 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 ka ma ka o Bebara kara ko o sumonta ka mora ka ba ka ka o jomo o Apupa taka malakana ba boko kwa kwa nani O ba ka bo Abena kare mbana ka ba o jogo ba ka ba mo Déesse de la rivière! Reine-mère! Toi qui donnes la richesse et la puissance! Ton serviteur, Ijele, est ici. Une fois de plus pour chercher ta face en te suppliant. Tu ne m'as jamais déçu. Et tu ne me décevras pas. J'ai amené ta fille... Alice, devant toi. Elle demande ton aide. Et je sais que tu lui répondras. Alice, entre dans la rivière. Va au cœur de la rivière. Maintenant, dis à la reine-mère, pourquoi tu es là? Est-ce que tu voudrais qu'elle fasse pour toi? Parle! Déesse de la rivière, la magnifique reine-mère, je suis ta fille.
Je suis là parce que j'ai besoin de ton aide. J'ai un homme que j'aime et je chéris. S'il te plaît, je veux que tu lui donnes de l'argent. Fais de lui un homme riche pour qu'il vienne m'épouser. Quand tu feras cela, pour nous, tous les deux, nous reviendrons ici et te remercierons. Reine-mère, tu as entendu ta fille. Tu ne m'as jamais déçu. Et je sais que tu répondras à sa supplication et à son besoin. Elle a promis qu'une fois que ses vœux seront exaucés, elle viendra avec beaucoup de sacrifices. Maintenant, prends ce poulet. Prends-le. Comme tu l'as toujours fait, tu as toujours accepté le sacrifice de tes sujets. Alice, ma fille. Oui. Ta requête a été acceptée. Ezemwan Imbiri a accepté ton sacrifice. Maintenant, nous pouvons y aller. Boni boni kaka kaba kaza meduo o badi baka 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 Monsieur, bienvenue. Merci beaucoup. Allez-y, prenez place. Merci. Merci vraiment d'être venu. Ça avait l'air urgent au téléphone. Oui, c'est vraiment très urgent. J'ai besoin de ton aide maintenant. Ah. Tout d'abord, je sais que la dernière fois que tu étais ici, ce n'est pas... Ça ne s'est pas bien terminé. Ouais. Je m'excuse pour cela. Alors, en quoi puis-je vous aider, monsieur? J'ai besoin d'un prêt. Ah. De combien? Disons, 15 millions de naira. Ah, c'est une grosse somme, ça. Avez-vous une garantie? Est-ce que... Dois-je prendre cette maison comme garantie? Non, tu ne peux pas utiliser cette maison. Tu sais que c'est pas ma propriété. C'est un appartement à louer. Dans ce cas, ce n'est pas possible. Écoute-moi. Ce n'est pas possible. J'espère, toi et moi, on a fait un long chemin. Tu me connais très bien. Tu peux faire comme si le prêt venait de toi-même. Non, ce n'est pas possible. Carrément impossible. Je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas m'aider. Non, je ne peux pas. C'est impossible. Merci beaucoup. Putain. Bébé, que se passe-t-il? Dieu. La chose était une fausse. Ils nous ont dupés. Ils nous ont donné de faux papiers. Quand nous sommes arrivés là-bas,
Après quelques semaines, ils nous ont fait sortir de l'hôtel. C'est là qu'on a su que les papiers qu'ils nous ont donnés étaient faux. On a essayé de l'appeler, mais il ne décrochait pas le téléphone. Avant de savoir ce qui se passait, on nous a arrêtés. Et je suis de retour ici. Seigneur. Hé. Alors, que vas-tu faire maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Aguna a dû apprendre que j'ai voyagé. Comment vais-je lui expliquer? Je veux dire, comment vais-je lui dire que j'ai vendu sa voiture? Comment? Bébé, à mon avis, tu devrais retourner le voir. Tu dois retourner le voir et dire quelque chose. Laisse-moi. Chut! N'es-tu pas mon petit ami? Je veux dire, n'es-tu pas censé être mon petit ami? Pourquoi me poses-tu vers mon sugar daddy? Pourquoi? Ma puce, on a planifié ça ensemble. Notre plan était que tu partes à l'étranger. Et quand tu auras réussi, j'allais te rejoindre. C'était ça le plan. Je sais qu'on a planifié ça ensemble. Je ne sais pas. Que veux-tu que je lui dise quand j'arrive là-bas? Bébé, dis-lui que tu as eu un accident. Oui, dis-lui que tu as eu un accident ou un truc du genre. Ok, dis-lui qu'un groupe de garçons t'a attaqué, qu'ils t'ont braqué et sont partis avec la caisse. Allez, tu peux faire mieux que ça. Ok, si tu le dis. Qu'est-ce qu'il en est? Des blessures, comme, tu sais, pour quelqu'un qui a été attaqué, tu sais, on doit voir quelque chose, des preuves. Je vais personnellement te bander. Je vais personnellement te bander la tête et ta main. Et je pense que je te mettrai du maquillage pour rendre ça vrai. Essuie tes larmes. Oh. Ok. Longtemps maintenant. Il m'appelle depuis. Dis-lui que le groupe de bandits qui t'a braqué a aussi pris toutes tes choses et même ton téléphone. Ah bon? C'est aussi simple que ça. Tu penses qu'il va croire à tout ça? Pourquoi pas? Ok. Tu sais pourquoi je t'aime? Ouais. Parce que tu es futé. Et intelligent. Ouais. Et tu es aussi un beau fin garçon. Tout ça pour moi, ça veut dire que je suis le cerveau de tout. Tu l'es! Tu l'es! Hé! Oh mon Dieu! Allez, vas-y, essuie tes larmes. C'est donc comme ça que... Chérie! C'est ta meuf là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe! J'ai rien! J'ai été attaquée par des bandits! J'ai été attaquée! Attaquée? Oui! Ils m'ont bastonné! Mon Dieu! J'ai mal, tellement mal! Désolé. Aïe! Non! Cette voiture que tu m'as achetée, ils l'ont volée! Quoi? Je te jure! Je suis à l'hôpital depuis 2 semaines. Aïe! Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé? Mon téléphone a été volé. Mon Dieu. Vraiment désolé. Je l'ignorais et moi je me fâchais contre toi. Je n'ai jamais su que tu as subi un tel traumatisme. Bonsoir, monsieur. Lumelu, c'est ma copine. Bonsoir. Ça va? Alors, tu t'en vas? Je crois que je dois vous laisser.
Vous avez à vous dire, ok? On se parle plus tard. Ok, je vais t'appeler. Ok. Bye. D'accord, au revoir. Désolé pour toi. Merci. Tu veux un jus ou alors de l'eau pour te donner de la force? Apporte-moi de l'eau. Juste de l'eau glacée. Désolé. Je t'apporte de l'eau. Merci. Voilà, je savais qu'il allait faire ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce gars? Aïe, je t'ai dit de ne pas m'appeler à cette heure. Oui, je suis là-bas. Je suis là-bas, JD. Il a gobé tout ce que je lui ai dit. Au fond, maman. Ne t'en fais pas. Le maquillage que tu as fait, il faisait trop vrai. T'es un mauvais garçon. Oui. Tu me connais, non? Oui. Je te rappelle. Je t'ai apporté ton... Merci. Je t'ai entendu parler au téléphone. Tu m'as pourtant dit qu'on l'a volé. Appelle. Oh, quand? Ce n'était pas un coup de fil? Non, chérie. Non. Bon. Enlève ton truc. Chérie. Je sais que tout ça, c'est de la mise en scène. Chérie. Biko, tu mens. Tu sais je suis que tu es un démon. Chérie. Tu sais que tu es méchante. Tu sais que tu es la description même d'une mauvaise personne. Je vais t'expliquer. Je t'en supplie, s'il te plaît. Tu t'es enfui avec mon argent. Tu as volé la voiture que j'ai achetée pour toi. J'ai vu le mec à qui tu l'as vendue. Vraiment? Je suis désolée. Ça, tu as voyagé pour l'étranger. Tu as certainement été rapatrié là-bas. Maintenant, tu rentres et tu continues avec tes mensonges. Je suis désolée. Tu peux faire ça. Je suis désolée. Non, bien, tu veux que je sois la police. Police, bébé, ne fais pas ça, s'il te plaît, je suis désolée. Je suis désolée, s'il te plaît, bébé. Qu'est-ce que tu as fait? S'il te plaît. Tu pars maintenant, tu veux que la police vienne t'embarquer? La police? Alors fais ton choix toi-même. Allô, commissaire, il y a une criminelle dans ma maison. Bébé, s'il te plaît. Mon frère, je suis dépassé. Sais-tu que tout ça était faux? Jennifer n'avait aucune blessure. Quoi? Mais comment? Elle m'a demandé de l'eau. Je suis allé à la cuisine pour lui chercher un verre d'eau. En revenant, je l'ai entendu parler au téléphone. Hein? Le même téléphone qu'elle m'a dit qu'on a volé. Elle parlait avec quelqu'un en lui disant que je suis tombé dans le piège et qu'elle avait réussi à me tromper. J'ai eu des soupçons et je l'ai confronté. J'ai enlevé les bandages et j'ai découvert que toutes les cicatrices étaient fausses. Le sang, les cicatrices, le bandage, l'histoire même, tout ça a été fabriqué. Quand elle a réalisé que je l'ai attrapée, elle a commencé à me supplier. Oh mon Dieu. J'étais à deux doigts de la frapper. Mais je me suis retenu et j'ai menacé d'appeler la police. C'est là qu'elle est honteusement partie de chez moi. Les femmes sont vraiment terribles. Je n'arrive pas à y croire. Je t'assure, mec. Tout ça pour quoi même? Pour continuer à se moquer de moi. C'est pour ça. Je l'ai entendu dire à quelqu'un au téléphone que j'ai gobé ses mensonges. Que j'ai cru toutes ces bêtises et l'ignorait que j'écoutais. Ça, c'est sérieux. Bébé, que s'est-il passé? C'est entièrement de ta faute. Tu m'as demandé d'aller le voir.
Oh, putain. Mais tu m'as dit qu'il a cru à ton histoire. Il m'a entendu parler avec toi. Toi. Comment as-tu pu faire une erreur aussi stupide? N'es-tu pas celui qui m'a appelé? Oh! Tu veux rejeter la faute sur moi, n'est-ce pas? Mais c'est de ta faute! C'est de ta faute! Ok, calme-toi, bébé. Je suis désolé, je prenais juste de tes nouvelles. T'ai-je demandé de prendre mes nouvelles? Dis-moi, t'ai-je demandé de prendre de mes nouvelles? Hein? C'est bon. Il a demandé à son gardien de me frapper et déchirer mes habits. Si ce n'était pas le voisinage, un bon samaritain qui m'a donné cet habit que je porte, j'aurais été nue à cet instant. Bébé, je suis désolée. Laisse-moi! Désolée, mon œil. Pousse-toi, bébé, laisse-moi passer, ne me touche pas. Bébé, je suis désolée. Araburago. De quoi? Hey! Atumbaga chimara to to amokoro mbokensisia. Abokolo numumpwe, ogi palanu manangempia. Eridi maran kukunkuko amarodo kedene kekie. Hey! Indumenendu wanu amrenga kanu mandu wazu. Femme, ton problème, c'est le mari spirituel. Il est responsable de tous les problèmes que tu as toujours eus. Tant qu'il continuera à te faire l'amour dans les rêves, alors tu ne progresseras jamais. Hey, Jelly, que puis-je faire? Aro, elle est en train de demander ce qu'elle doit faire. Okpane, hein? Hey! Tu dois aller à la rivière te baigner. Tu dois aussi apaiser ton mari spirituel. Ensuite, supplie-le de te laisser partir. Et cela demandera beaucoup de sacrifices. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Je viendrai demain pour les rites. Alors, combien cela me coûtera-t-il? Tu dois arrêter ou tu perdras la vie. Ne repars plus le voir. Si tu veux que je n'aille plus le voir, alors laisse-moi tranquille. Laisse-moi jouir de mon mariage et laisse mes affaires évoluer. Amaka, tu n'es pas de ce monde. Repars dans le monde d'où tu viens. Tu m'appartiens, Amaka. Tu m'appartiens. Tu mens. Je ne t'appartiens pas. Oh, Diadine, tu n'existes que dans mes rêves. Alors, fous-moi la paix. Tu ne trouveras jamais la paix, Amaka. Tu n'auras jamais la paix. Hein? Ma tête. Oberwanyi wonyai. Oberwanyi bomia. Hein? Oberika kare boru boru ma siegu. Ah! Hojadeli. Qu'est-ce que tu veux? Ijeli. Laisse le cas d'Amaka. Sinon, je te tuerai, toi et toute ta famille. Je ne te...
te dois absolument aucun compte. Oudé. Papa. Rassemble tout ceci. Hey, allons-nous-en. Obanjenje, Obanjenje, Obanjenje. Oudé. Papa. Tu dois maintenant rentrer. Ce travail est différent. Ojadili est toujours très en colère. Et il pourra encore te faire mal. D'accord. Compris, papa. Mais s'il te plaît, fais très attention à toi aussi. Je vais m'en sortir, mon fils. Un simple esprit des eaux complètement jaloux ne peut jamais me tuer. Ça va aller. D'accord. Bonne route, bonne route. Bonne route. Obanjenje. Obanjenje, Obanjenje. Obanjenje, Obanjenje. Esenya Ibo kene monu. Eu. Montre-toi. Je dis montre-toi. Ok, qui caraburu quoi, 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 continue d'avancer. Obanjenje, Obanjenje. Obanjenje. Attends, jeune fille. Je te dis d'attendre. Obanjenje. Avance. Obanjenje, Obanjenje. Obanjenje. Hiye, Amado. Hiye, Amando. Amando. La grande reine-mère, ton serviteur, Ijeli est encore revenu. Pour une fois te supplier, tu ne m'as jamais déçu. Et je sais que tu ne me décevras jamais. Femme, tiens-toi au milieu de la rivière. Courbe-toi. Ezewani Mwina Nadia.
donc dit à la déesse mère ce pourquoi tu es là et ce que tu voudrais qu'elle fasse pour toi. La grande reine mère de la rivière. La grande reine mère de la côte. Ta fille est ici devant toi. J'ai besoin d'être libérée de mon mari spirituel. J'ai besoin de paix dans mon foyer et des progrès dans mes affaires. Si tu fais ça, je reviendrai avec une grosse action de grâce. Aise-moi, Imbéry, tu l'as entendu. Reine-mère, tu l'as entendu. Et je sais que tu exauceras ses prières. Maintenant, lance ce coq dans l'eau. Et dis à Ezemini, Ezemwani, que c'est ce que tu as apporté comme sacrifice. Grande reine mère, regarde ce que j'ai apporté. Oh! Ezemwani Mbiri, la reine mère, je t'en prie, tu ne m'as jamais déçu. Je sais que tu exauceras à ma prière. Merci à toi, la reine de la rivière. Merci à toi, ma reine mère. Femme, ta prière a été entendue et ton sacrifice a été accepté. Maintenant, sors de la rivière. Lève-toi et allons-y. Finalement, tu as apaisé la reine mère et elle a libéré ma femme. Ijali, crois-tu que je te laisserai tranquille? Ou crois-tu que je la laisserai vivre sa vie? Ojadeli, ne me dis pas que tu oserais désobéir à la reine mère. Laisse-la partir et jouir pleinement de sa vie terrestre dans ce monde. Je refuse. Elle m'appartient. Aucun homme ne l'aura. Ojadeli, arrête! Arrête et laisse-les partir. Tu devrais apprendre à écouter les conseils et obéir à la reine mère. Non, mère. Je ne peux la laisser partir.
Je l'aime beaucoup trop et tu l'as éloignée de moi. Il y a plusieurs autres jeunes belles filles. Tu es libre de choisir autant que tu en veux. Laisse cette fille. Okwariana mebo buburi ajo guru gbi jiji. Udusini kwa aguru anu ne. Hey. Viens devant et allons-y. Doucement. Elumelu, je ne te comprends pas. Tu veux retourner au village alors que tes affaires se portent mieux que les miennes? C'est quoi la logique dans ça? Je t'ai juste dit que j'allais au village. Je n'ai jamais dit que j'y aménagerais. J'y vais juste quelques jours pour faire quelque chose. Ah ah, heureusement, c'est que je ne te comprenais pas. Alors tu rentres quand? Je ne sais pas pour l'instant. Je ne sais pas pour l'instant. D'accord. Moi, je ne vais nulle part. Je suis bloqué ici. Toujours fauché, toujours sans argent. Personne pour me prêter de l'argent. Personne ne semble avoir l'argent ces temps-ci. N'en veux à personne. L'économie est mauvaise. Très mauvaise. Je vous adore toutes les deux. Amenez-moi au 7e ciel. Ne t'en fais pas. Ah oui, amenez-moi. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Haguna, alors c'est ça que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? À qui tu parles? Non, en fait, vous ne voyez pas la personne. À qui est-ce qu'il parle? Vous ne le voyez pas? Voir qui? C'est à ça que tu dépenses ton argent? Non. Mais à qui tu parles, non? Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Que se passe-t-il? Haguna, est-ce que c'est cette éducation que je t'ai donnée? Non. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Tais-toi! Tu es une déception. Tu ferais mieux de réfléchir et de revoir ta façon de vivre. Qu'est-ce qui se passe? Papa! Mais que se passe-t-il? Tu vas bien? Vous ne l'avez pas vu? Je n'ai vu personne. Voir quoi? Qui? Il était placé juste là. Il n'y a personne mais ici. Mais qui? Qui est-ce? Où? Où ça? Bonjour. Bonjour. Bon après-midi. Je cherche un certain Idili. Ah, ok. Dès que vous arrivez au carrefour, ce carrefour qui est juste là... Là devant? Ok. Vous allez prendre à droite. Ensuite, à un jet de pierre du carrefour, il y a une entrée à gauche. Après cette entrée, demandez Idili. C'est une maison très populaire. Ok. Si je vous ai bien compris, vous avez dit... Dès que j'arrive au carrefour là devant, je prends à ma droite. Oui. Et quand j'arrive là-bas, je prends encore à ma gauche. Oui, monsieur.
Merci infiniment. Désolé, je n'ai rien sur moi, mais peut-être la prochaine fois, je vais... Ok. Hein? Merci, merci. On s'en va. Ok, vous pouvez partir. Que je parte? Que je parte? Bébé. Je vais t'appeler. T'inquiète, je vais t'appeler. Tu dis qu'on parte? Qu'on parte? Je vais partir. Ma chérie, que s'est-il passé? Comment est-ce que ce gars peut nous laisser partir sans rien nous donner? Ça, c'est le comble de tout ce qui pouvait arriver. Pardon, pardon, pardon. Je suis très fâchée. Je suis vraiment trop fâchée. Qu'est-ce que c'est? Sans rien? On est juste parti comme ça. Même pas Kobo. Ah. Mais ça, c'est le juju, non? Je t'assure, ma puce. Ah. Je voulais lui demander, non? Je voulais lui demander, mais il n'était pas lui-même. Mais tu sais quoi, ma puce? Il nous donnait l'argent... Même quand on ne lui demandait pas. C'est vrai. C'est la vie. Tout le monde a ses problèmes. Peut-être qu'il est fauché. Je te jure, je te jure. Ça, c'était un mauvais marché pour nous. Mauvais marché pour qui? Il n'y a pas d'autre homme. Tout le monde a ses problèmes. Après tout, tu n'as rien fait de toute la nuit au matin. Hé! Arrête-moi ça! Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Toi-même, tu as fait quelque chose? Je ne t'en veux pas. Regarde-la avec cette grosse fesse. Tu es jalouse. Pardon, dégage de là. Tu es jalouse. Je ne t'en veux pas. Grosse pute. Salut. Bon après-midi. Hey. Bon après-midi. Bon après-midi. Je suppose que c'est la maison d'Idili. Oh oui. En fait, je suis son fils et son apprenti. Si je peux me le permettre, en quoi puis-je vous aider? Je préfère lui parler directement. Oui, car je suis venu de la ville pour le voir. Pour le voir personnellement. Très bien, pas de souci. Asseyez-vous, je vais l'informer. Bien. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Pas de quoi. Bon, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé ici grâce à une personne sur laquelle vous avez travaillé avant. Et il est très prospère. Ce que je veux est simple. Mes affaires ne marchent plus bien.
Elle regrette grandement. Je veux juste que mes affaires grandissent. Je veux qu'elles explosent. Je veux l'argent. Je veux plus d'argent. J'en ai marre d'être à la même place depuis si longtemps. S'il vous plaît, quelque chose doit être fait. Tu es au bon endroit, mon fils. Ok. Le dieu que Ijeli sert ne déçoit pas. Il ne te décevra pas. Allez, tends tes mains. Adi kwanuma, adi kwanuma, ibuku totofi, okone mako tomenya kubuninye. Ibo eke kerumwa, ebe koka ifye, ibare kone igbe, igiri munofo. Ibo efo nana, iburo gafina foroji, nomera nenuo. Mon fils, je vais préparer le charme d'Awoli pour toi. Je vais aussi t'amener à la rivière. Pour certains rituels et des sacrifices. Mais cela ne se fera pas en un jour. Ce sera en moyenne en 3 jours. Naï, 3 jours? Devrais-je partir et revenir? Tu resteras avec moi pour faire ces sacrifices et ces rituels pendant 3 jours. Naï, pas de problème. Du moment où j'obtiens ce pourquoi je suis venu ici, je vais rester. Ta requête te sera accordée, mon garçon. Relax. Odé, ton père croit que je ne peux pas le toucher, mais te tuer va certainement le toucher. Écoute, je ne suis pas mon père. Alors, je n'ai aucun malentendu avec toi, tu entends? Tu es ton père. Si je te blesse, je le blesse aussi. Odjadili, je t'ai déjà prévenu de laisser cette famille tranquille. Ijeli est un servant fidèle. Ne touche ni lui, ni son fils, sa famille et ni personne de son sang. Je ne t'avertirai pas 2 fois. Maintenant, va chez toi. Ne dis pas cela à ton père. Diego. Hey! Ogeni ujene na mo. Okunu mi jene na bo, okunu sina na bo. Ijene gunu gunu mo. Okunu si mugaba. Otikba. Maître. Casse cette noix de coco. Verse l'eau dans cette calebasse. D'accord. Ok, c'est bon. Ça suffit. Ok, mets ici. Mon fils, agenouille-toi devant la statuette. Je m'agenouille ici. Agenouille-toi là. Donne-moi tes mains. Essuie-les sur ton visage. Retourne à ta place.
Hey. Mon fils, ton travail est à moitié fait. Tout obstacle, toute opposition et blocage qui te ramenaient en arrière et voulaient t'empêcher d'avancer dans tes affaires finiront tous demain lorsque nous irons à la rivière pour faire des rituels et des sacrifices. S'il vous plaît, j'ai besoin que ça cesse très vite. Et j'ai trop hâte. Ton étoile est très brillante. Tu es un faiseur de roi. Mais tu n'es pas un roi. Écoute. Fais attention à ce dont tu fais roi. Aro kuna ugo mo sina ekeneme hura kuno do sina kono neme. Hey, aro dalo nime. Lumelu, Aguna. Je l'ai bien dit, je savais que c'était ta voiture. Ha! Aguna, mais qu'est-ce que tu fais ici? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Souviens-toi que je t'ai dit que j'allais voir un homme. Oui, c'est l'endroit ici. Je ne savais pas que tu venais aussi au même endroit. Idjeli, c'est l'homme dont tu me parlais? Oui, Idjeli. Attends, tu le connais? Ça, c'est ma maison. Idjeli, c'est mon père. Agunaya. Tu veux me dire que Idjeli est ton père? Oui, c'est mon père biologique. Idjeli... Ah, papa! Waouh! Agunaya! Bon après-midi, papa. Quelle belle surprise! Sois la bienvenue, mon fils. Papa. Alors, vous vous connaissez tous les deux? Depuis longtemps. Agunaya, que voici, est mon meilleur ami. Je ne savais pas qu'il était de ce village. Et j'ignorais aussi que c'était votre fils. Waouh, je suis surpris, moi aussi. C'est très bien. Agunaya, papa. Prends soin de lui pendant que je vais me changer à l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Waouh. Ok, bon. Qu'est-ce que tu traites avec mon père? Agunaya. Ouais. Je t'ai parlé de mes problèmes dans mes affaires. Ouais, tu l'as fait. Et je t'ai dit que je suis prêt à tout faire pour qu'elle ressuscite. Je me souviens que tu l'as dit. Alors, quelqu'un m'a recommandé Idjeli. En me disant qu'il a fait beaucoup de travaux spirituels pour les gens. C'est pour ça que je suis ici. Pour qu'il fasse le même travail spirituel pour moi, tu vois? Pour me remettre sur pied. Tu as bien fait, tu peux faire confiance à Idjeli. Mon père est bon pour ça. Je ne savais pas que c'était ton père. Agunaya. Mm-hmm. Si Idjeli est ton père, je ne crois pas que tu es censé te plaindre. Du manque d'argent, de tous ces problèmes dont tu te plains tout le temps. Idjeli est un homme puissant. Il a fait beaucoup de travaux spirituels pour les gens et ils vont bien. S'ils vont bien dans leurs affaires, dans leur foyer, tu ne devrais pas être l'exception. Tu devrais jouir de ces privilèges que tu as. Tu as raison. Honnêtement, je n'ai jamais pensé de cette façon. Agunaya, tu dois y penser et le faire très vite. Tu es censé être un millionnaire et même milliardaire. Oh, trillionnaire. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais ça, c'est vrai. Tu as l'opportunité. C'est à ta portée, mais qu'est-ce qui se passe? Pense-y. Je réfléchis déjà à ça, mec. Et j'ai l'énorme. Mon fils, qu'est-ce qui t'est vraiment arrivé? Tu es resté silencieux tout ce temps. Pas de coup de fil, pas de visite. J'espère que tout va bien. Papa, ça fait déjà 3 mois que les choses ne vont pas du tout. Mes affaires ont chuté. Tout ce que j'entreprends, rien ne semble marcher. Et mon argent même a disparu. Je ne sais pas ce qui se passe avec mes affaires. J'ai essayé de contracter un prêt, mais tout ce que j'aborde
me disent qu'ils n'ont pas d'argent, même Elou Melo. Il m'a toujours dit qu'il n'a pas d'argent, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas quoi faire. Le vrai problème, c'est que ton frère Oudé n'est pas du tout content de toi. Il pense que tu appelles Oran en visite seulement quand tu as besoin d'argent. Elou Melo, je vais te demander un truc. Vas-y. Depuis quand connais-tu Agunaya? Agunaya. Je connais Agunaya depuis 5 ans déjà. Bien avant qu'il aille aux États-Unis et qu'il y rentre. Bien. Et tu sais sûrement qu'il est radin. Il ne se soucie de personne d'autre que de lui-même. Ne parle pas d'Agunaya comme ça. Hein? Ne parle pas de lui comme ça. Hein? Ce n'est pas bien. Agunaya a un ou deux défauts, mais je suis très sûr qu'il se soucie de sa famille et de ses amis. Vraiment? Aguna ne rend jamais une visite, sauf s'il veut parler d'un problème qui le tracasse. Et son père, lui, le croit toujours. Il vit de son compte pour Aguna. Bien maintenant, analysons ça. Dis-moi comment un homme qui est censé prendre soin de sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, est celui qui prend plutôt chez eux. Je suis très sûr que tu ignores ce qui se passe. Tu ne sais pas à quel point le pays est devenu difficile. Tu ne sais pas à quel point nos dirigeants ont détruit ce pays. Je suis très sûr de ça. Tu ignores ce qui se passe en ville. C'est un merdier. Les choses sont difficiles. Les gens souffrent. Les gens meurent tous les jours. Il a de la chance de rentrer et d'avoir un père qui le soutient. Pour de vrai, les affaires vont mal. On se bat chaque jour, on pousse comme des lions et on mange comme des chèvres. C'est pour ça que les gens viennent ici tout le temps pour voir Idili pour qu'il les aide spirituellement. Je crois que je viens ici de mon plein gré, mais non, tout va mal. C'est pour ça que je suis ici. Si j'avais quelqu'un qui me soutenait, je serais fier. Mais je suis venu ici pour une aide spirituelle. Et je suis sûr que, par la grâce de Dieu, je vais avoir ma solution. S'il te plaît, ne parle plus de lui comme ça. Tu dois croire en ce jeune homme. C'est un homme très travailleur. Tu dois savoir ça. Il est. Et la foi. Je suis sûr que les choses vont changer cette fois. Son père fera quelque chose pour lui. Oui. Je suis très sûr de ça. Hey, c'est moi, Agni. Agni, bien. Ogodo. Bien, mon. Hein? S'il vous plaît. Je suis venu chercher des solutions au problème de mon fils. Je ne peux pas être Ijele, pourvoyeur de solutions, alors que mon fils a de gros problèmes. S'il vous plaît, d'où est-ce que tout cela vient? Ah. Okosime. Hey. Aswaro kabieda kane piangwata. Eburedeke nabida tobia, s'il vous plaît. Aguna. Papa. Aguna. Papa. Aguna. Combien de fois je t'ai appelé? 3 fois, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, tout ce que tu fais, c'est dépenser ton argent sur les femmes? Hein? La même chose qui t'a fait revenir des États-Unis, les mains complètement vides. Tu es sérieux, là? Tu as recommencé ici, et cela a ruiné tes affaires. Hein? Papa, ce n'est pas un problème. Un cas à Bosso. Je suis un homme, et tous les hommes sont virils. Qu'est-ce que tu racontes? Au lieu de chercher les filles, tu aurais préféré que je cherche les hommes? Aguna, ce n'est pas de ça que je parle. Ce que je veux dire, c'est que tu dépenses d'énormes sommes d'argent, visiblement tout ce que tu as pour les femmes. Hein? Ne peux-tu pas te contenter d'une seule femme? Hein? J'ai compris. Je vais contrôler ça. Mais quant aux raisons pour lesquelles je suis venu ici, c'est comment faire pour avoir de l'argent et faire décoller mes affaires. C'est ce dont on devrait parler. Je sais que c'est pour ça que tu es venu. Et je vais te donner de l'argent. Mais dis-moi, est-ce que tu n'as pas honte? Aguna, n'as-tu vraiment pas honte que tu es incapable de prendre soin de ton père et de tes frères? Toi, plutôt, tu fais le contraire. Hein? Tu trouves normal de faire ça? Bien sûr que je suis capable. Thank you.
Niroma. Ezengwani. Ezengwani ekerekangi. Lève-toi et porte cette calebasse. Mon fils, viens et agenouille-toi. Asene, mako yage. Umbasa, mako yage. Nasonye, mako yage. Asenko. Allez, tends tes mains. Oya, dregemma. Tu seras béni dans 4 jours de marché. Eke, oye, afo, nkwo. Retourne t'asseoir. La reine mère, le dernier sacrifice a été fait comme tu nous l'as demandé. Mon fils, Idili, tu es enfin libre de tout obstacle qui essayait de bloquer ton progrès. Va et nage dans la richesse sans limite. Merci beaucoup, Idili. Je te suis reconnaissant. Je te suis très reconnaissant. Merci. Merci. Rappelle-toi. Reviens voir Ijele. Pour l'action de grâce. N'oublie surtout pas. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je le ferai, Ijele. Je te le promets. Ouais. Je reviendrai. Yuko anesane kenegi. Ezengwa anyane kenegi. Agunaya, je vais rentrer en ville demain. Tu as résolu tes soucis avec ton père? Ah, ouais. Il a promis de me donner un peu d'argent pour relancer mon business. Tu sais, il y a un proverbe populaire chinois qui dit... Je préfère que tu m'apprennes à pêcher que de me donner du poisson tous les jours. Attends, Olumelu, tu essayes de te moquer de moi pour le fait que mon père me donne de l'argent pour commencer un business? Non. Loin de là. Regarde un peu ce qui se passe. Ton père se fait plus d'argent ici au village que toi qui es en ville. Ne vois-tu pas? Ne vois-tu pas ce qui se passe? Je crois qu'il est temps pour toi de dire à ton père de t'apprendre ce business. Je veux dire ce boulot. Ton père, qui vit ici au village, se fait plus d'argent que toi, qui vis en ville. N'est-ce pas drôle? De quel business tu es en train de parler? Les trucs traditionnels de mon père? Bien sûr. Attends. Tu veux que j'aille en ville pour devenir un docteur traditionnel afin de guérir les gens comme un dibia de la ville, c'est ça? Agunaya, je vais t'expliquer en termes simples. Il y a tellement d'hommes riches en ville qui ne viendront pas dans un endroit comme ça. Écoute, si tu prends le boulot de ton père et que tu le ramènes en ville, tu ouvres une église, tu commences à guérir les gens, tu ressuscites les morts, tu redonnes la vue aux aveugles, mon frère, tu deviendras milliardaire en un clin d'œil. C'est ce que les pasteurs font. Ils viennent chez les tibias comme ton père. Ils vont dans l'eau pour avoir des pouvoirs, ils reviennent en ville, dans leur église, et se mettent à faire des miracles. Et crois-moi, les gens s'alignent pour les voir tous les jours. Millionnaires, milliardaires, tout le monde. Hey, Olumelu, on dirait que tu as raison sur ce point. Là, tu parles bien. Tu sais, ça pourrait être une option. Je demande à mon père de m'enseigner
me donner des pouvoirs, des capacités de guérison et pouvoir régler les problèmes des gens. Ensuite, transformer tout cela en église. Bien sûr. Tu es vraiment un mec brillant. Là, tu parles. Loumelou. Bien sûr. Pour de vrai? Oui. Oui. Waouh. Pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Parce que je n'étais pas là, tu vois. Mais il y aura toujours un problème. Et que peut être le problème? De toute évidence, je n'ai pas assez d'argent pour construire une église. Agunaya, demande juste à ton père de t'apprendre ce business. Et ensuite, rentre en ville. Moi et Loumelou, je vais financer l'église. Tandis que tu la dirigeras. Es-tu sérieux? Genre, on fera une sorte de partenariat? Des partenaires d'affaires. Trop génial, Loumelou. Tu es sérieux? Je vais juste apprendre chez ton père. Alors ça, c'est ma mission désormais. Je vais parler avec lui. Je vais le faire asseoir et lui expliquer pourquoi il est important qu'il c'est m'apprenne très important. Ça. Hey! Tu sais souvent me donner de très belles idées. C'est pour ça que... Ouh! Oudé, qu'est-ce qu'il y a? Papa, j'espère que tu ne comptes pas mettre encore des millions dans le compte d'Agunaya. Je l'espère vraiment. Je ne peux pas être ici à travailler durement avec toi. Et tu envoies de l'argent à quelqu'un qui est censé être mon grand frère. Qui est censé s'occuper de toi et de moi. Je suis là à travailler dur et tu lui envoies de l'argent à cause de l'échec de ses affaires. Papa, je ne laisserai pas cela se reproduire. Oudé. Oudé, je te comprends. Je sais que tu n'es pas content à cause de l'attitude nonchalante de ton frère. Mais il reste ton frère. On ne peut pas le jeter. Hein? Je t'en prie. Tout ce qu'il nous faut, c'est juste des sacrifices et de la prière pour espérer qu'il devienne une meilleure personne. Papa, jusqu'à quand ça va arriver? Tu as promis de m'envoyer à l'étranger cette année. Maintenant, l'argent que tu as prévu pour mon voyage, c'est ce que tu veux lui donner. Regarde-moi, papa. Qu'en est-il de moi? Je ne suis pas content du tout. Mon fils, écoute. Je comprends ce que tu ressens, mais... Souviens-toi d'une chose. Tu seras le prochain à être favorisé. Ok? S'il te plaît, accordons-lui cette dernière chance. S'il te plaît, je t'en supplie. Accordons-lui cette dernière chance. Allez. Papa, que ce soit la dernière fois, s'il te plaît. C'est compris. Regarde-moi. C'est compris. Regarde-moi. Allez, c'est bon. Donne-moi un sourire. Allez, laisse-moi, papa. Oh, Irene. Oh, Irene. Ne me flatte plus. Mon fils, je veux savoir la conclusion que tu as eue... sur ta nouvelle affaire, parce que je veux te donner de l'argent. Mais avant, je veux savoir ce que tu vas faire de cet argent. Papa, je ne crois plus avoir besoin de ton argent. Je veux gagner mon propre argent. Tu n'as plus besoin d'argent? Alors qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu m'apprennes ton travail. Papa, je veux que tu m'apprennes comment invoquer les dieux pour qu'ils viennent aider les gens et régler aussi leurs problèmes. Et Loumelou m'a dit que tu gagnes tellement d'argent en le faisant seulement ici au village. Et si je fais Paris en ville, j'aurai beaucoup plus d'argent. Comment, mon fils? Tu voudrais aller en ville pour être Dibia? Non, pas Dibia. Je le ferai d'une autre manière, papa. Laisse-moi te prévenir. Je n'utilise pas mon don de Dibia pour le mal. Mais plutôt pour le bien de l'humanité. Exactement, c'est pour ça que je veux l'utiliser. Alors comment comptes-tu l'utiliser? Je veux ouvrir une église.
Je veux utiliser ce don pour attirer la faveur. Si je suis capable de résoudre les problèmes des gens, les hommes riches viendront dans mon église. Des riches et même des hommes d'influence. Ils vont donner de l'argent et des semences. Et là, en retour, leurs besoins seront satisfaits. Et comme ça, j'aurai mon argent et tout le monde sera OK. Ouais, ça c'est intéressant. Vraiment très intéressant. Alors, il faut dire que ton ami est vraiment très intelligent de t'avoir suggéré une telle idée. Si ton père est capable de donner un tel don à un pasteur, ou alors, tu sais, pour faire des miracles ou ce genre de choses, alors pourquoi pas mon propre Exactement, fils Exactement, papa, je, c'est je ça le même. Ferai encore mieux. Merci, je le ferai papa. Encore mieux. Merci, Odugu. Papa. Oyirini, hein. Merci, papa. Qui t'a qui est balle Bana kaba, shaba, kaba, shaba. Bana shaba, kaba. Ça. En passant, où est ton frère Aguna? Il prend les écorces d'arbre, papa, comme tu lui as demandé. Oh. Oh, c'est d'accord. Allons-y. Ok. Papa, il y a plein d'oiseaux. Agunaya. Papa. Maintenant que tu as fini avec ta formation, je voudrais te prévenir. Fais attention aux femmes. Les femmes, faites très très attention aux femmes. Les dons... ainsi que les pouvoirs que tu viens d'acquérir doivent être gardés top secret, spécialement pour les femmes. Aguneya, éloigne-toi des femmes. Souviens-toi de tout ce qui arrive aux faux pasteurs. À la fin, c'est toujours un désastre. S'il te plaît. J'ai compris, papa. Ok. En tant que pasteur, on ne doit pas me voir avec des femmes. Je veux m'assurer de respecter ça. Je dois être saint. Saint Aguna. Bien sûr, papa. Je t'avertis, reste loin des femmes. Et surtout, garde bien ton pénis sous contrôle. Garde-le bien. Je le promets, papa. Bien, mon fils. Merci d'avoir pris de ton temps pour m'expliquer ces choses. Ouais, oh Diego. Je te jure, Diego. Papa, avec tout ce que tu m'as montré, ouais. Je vais gagner plein d'argent. Araburago Ayadago, je viens auprès de vous avec mon fils Aguna. Ezengwanyi, je te salue. Mère Nature, je te salue. Les quatre jours de marché, Eke, Oye, Afo, Nko, je vous salue. La lune, le soleil, l'air, la terre, je vous salue. Vous nous ferez tous des faveurs. J'ai amené mon fils auprès de vous pour que vous lui donniez des pouvoirs. Le pouvoir des miracles. Le pouvoir de voir. Afin que partout où il ira, qu'il soit respecté. Quiconque il touchera ressentira le pouvoir. Grâce à ceux, ok? Je sais que ce sera fait. Modike, bo savoir, ma modike. Hey! Mon fils. Papa. Répète après moi. Okriki kana bukwe kana bike sonu. Okriki kara lukwe sada lukwe suenu. Nkriki kana diedo nu nene sonu. Nkriki kada lude lulu sude lude lulu ezu. Encore, mais moi. Papa. Tu assimiles bien. Merci, papa. Yeah! Yeah! O kwani joma kana ni na zogu. O kari gona gona la luegu. O kokocha nukanu ebwe. Akukone chai kwani lebe. Unanuna kose me. Unanuna nu kwase be. O kwalu makini na no ne titi nene. He? Orangwanu okukune na no titi enane.
C'est très bien. Mon fils. Papa. Tu y es. Merci, papa. Lève-toi. Assieds-toi, mon fils. Frappe cette corne. Frappe-la et parle-lui. Les dieux vont t'écouter. Oui. Erawalimili. Olululuake wo bonekwana manza. Obaki bebu amalulu galani manye. Alo aluba yuba samali galiba libo yo. C'est bien ça. Hey! Je m'en sors. Oui, c'est parfait, mon fils. Je dis, tu seras plus grand que ton père. Ici. Demain, je vais t'amener à la rivière et te montrerai tous les secrets des choses de la rivière. Ok, papa. Si bien que quand tu rentreras en ville, tu iras dans n'importe quelle rivière de ton choix et faire appel à la reine mère. Hein? Invoquer la reine mère. Elle te répondra partout où tu seras. Hey! Ezemwa ni likololo. Ezeniko gonazegino muna mwanya e. Why? Lomo. Why? Lomo. Ayuna. Wayo. Wayo. Bo. Yay! Madame. Madame. Odogu. 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 Oridin, yeah? No more! No more! No more! Abigo nundi kene. Ole wani mwani zi lalana kelo! Lalana kunari wani wozio! Hey! Hoyo! Odogu! 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 Eh ben, fini fané, mais. Merci. Écoute, papa. Je vais te dire un truc. Un simple mortel ne peut pas te faire du mal. C'est maintenant très évident que tu es puissant, plus spirituel que moi. Va et fais ce que tu as. Hey! Ongene! Ongene, 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 ongene! Moi, bois, mou! Eze, wai, mini, karimo! Orba, kepa, kao, banana, mangore, mogi, bada, kia, niki, mana, kia, niki, kia, 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 Aïe, assez, c'est le nom Miri. Kamambirige Burani, embarrassé Pere nom Miri. La reine mère! La grande reine mère. Merci d'avoir émergé. Pour moi. Voici mon fils Aguna. Il veut hériter le manteau. Il veut te servir et utiliser ton pouvoir pour le bien de l'humanité. Réponds-lui chaque fois qu'il t'appelle. Je veux entendre Aguna. Laisse-moi savoir s'il veut vraiment faire ce qu'il faut. Pour me servir et utiliser mes pouvoirs pour servir l'humanité. Reine mère, j'ai besoin de tes pouvoirs. Et je te prête allégeance en te disant que si tu me donnes tes pouvoirs, je te servirai pour toujours. J'ai besoin de tes pouvoirs pour faire du bien à l'humanité. J'ai besoin de tes pouvoirs pour évoluer, ouvrir une église et devenir un pasteur de renom. Je veux accomplir des signes et des prodiges. Je veux devenir imbattable et faire des miracles. Je veux être extrêmement riche. Je sais que tu peux le faire pour moi. Je te promets aujourd'hui que si tu fais ça pour moi, je t'adorerai pour l'éternité. Ils feront de moi leur Dieu. Mais toi, tu seras mon Dieu. Je te donnerai des pouvoirs
plus grands que ceux de ton père. Maintenant, ouvre ta bouche. Va et utilise mes pouvoirs. Va et utilise mes pouvoirs pour servir l'humanité. Va et fais de grandes choses. Merci, merci beaucoup. Merci, Ezemwani. Tu as toujours été là pour moi. Et j'apprécie. Et je te servirai toujours. C'est fait. J'ai du pouvoir, maintenant. C'est fait, mon fils. Va dans le monde et prends le contrôle. Merci, papa. Odogu. Merci, papa. Odogu. Merci, papa. À quoi ben y'a des mini-gons? Oui. À quoi ben y'a des Oudé a appelé. Il dit qu'il va rentrer demain. Il a aussi dit que ta sœur, Ma, a de bons résultats à l'école. Bien. Aguna. Papa. Maintenant que tu as fini avec cette initiation, je voudrais te mettre en garde. Les femmes. Fais très attention avec les femmes. Tu n'es plus une personne ordinaire maintenant. Tu es un initié. Et il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Sinon, Ezemwani ira très loin avec toi. Et tu seras perdu. J'espère que tu en tiendras compte. Hein? Merci, papa. Merci de m'avoir averti à l'avance. Et me donner des conditions par rapport à ça. Je te promets d'être saint et de maintenir ma spiritualité. Je ne te décevrai pas. Écoute-moi, mon fils. Je suis aussi très content que tu sois devenu un autre homme. Maintenant. Merci, papa. Tu vois? Une femme viendra ici demain et je voudrais que tu t'occupes de son cas. Osubo, Osubo. Et je sais que les dieux t'entendront et t'écouteront aussi. Issé, Kamalo. Issé, Amen. Issé, Amen. Ici, tu dis Issé, Amen. Issé, Amen. Oh non, non, nous. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, ma fille. Ton visage me semble familier. Je suis la jeune femme qui a appelé hier pour vous dire que je viendrai aujourd'hui. Attends. Oh, oh, Cheka. Oui, monsieur. Ça, c'est intéressant. Viens, mon fils s'occupera de toi. Votre fils? Ne t'inquiète pas. Il fera de son mieux. Viens. D'accord, monsieur. Mon fils, voici la dame. Madame, il s'occupera de vous. Et que voulez-vous qu'il fasse pour vous? Femme, ton nom c'est Chika. Ton numéro de téléphone c'est 080-228-45216. Tu es ici parce que ton ami veut voler ton petit ami et pour cela tu veux que ton ami meure, c'est bien ça? Oui, monsieur. Je veux qu'elle meure, et je le veux le plus tôt possible. Malheureusement, ici, on ne tue pas les gens. Ce que je peux faire pour toi, c'est qu'il s'attache à toi pour toujours, et il ne te laissera plus jamais. Est-ce que cela te convient? Je suis d'accord avec ça. Oluma, Oluma, Olumwe. Oluokome, Lue. Na loue kakata loue komo dogu.
Okune kuku olume lume na wawe. Agonia. Namo. Agonia. Tu m'as presque renversé. Hein? Je sais que tu vas être plus grand que moi. Hein? La reine mère l'a dit. Mais le plus étonnant, c'est que tu as donné le nom de la fille et son numéro de téléphone. Non, tu es trop fort. Papa, c'est comme si je regardais un film. Son nom m'est apparu. Et son numéro de téléphone avec tous les détails. Odogu. Odogu. Je ne sais même pas si je dois être jaloux ou alors... Tu sais, je ne peux voir de telles choses excepté si je consulte l'oracle ou faire appel à la reine mère. C'est tout à fait normal. Souviens-toi du nom. Moi, Kanaya, ça veut tout simplement dire que plus puissant que son père. La prière de tout père, c'est que son fils soit plus grand que lui. Donc, ça doit être une fierté pour toi que j'ai appris de toi. Ifra Kusibane. Mon gâte, Gamanya. Odogu. Odogu. Les dieux sont sages. Les dieux sont sages. Ils sont vraiment très sages. Olouma, Olouma, Olouma. Ah. Et Agunia est devenu un homme. Et mon fils, tu vois, il faut simplement écouter la voix des dieux. Hmm? Et tout ira bien, ok? Ok, papa, je ferai ce que tu as dit. J'espère entendre de bonnes nouvelles de ta part. Comme ça, ton frère Oudé sera content de toi. Ouais. Ok, tu pourras dire à Oudé que je ne viendrai plus demander de l'argent. Je suis très content. Je crois que les choses iront mieux maintenant. Ok? C'est d'accord, mon fils. Tu diras aussi à Mouesso qu'elle peut venir me rendre visite n'importe quand. Je suis très content de l'entendre. Merci, papa. Je vais partir maintenant. C'est d'accord, je vais t'accompagner. D'accord, papa. Hey, Mouamo. Hey. Papa, faut prendre bien soin de toi. À la prochaine. Mon fils m'a déjà remplacé. Bye bye. Au revoir. Ma sœur Thierry, tu es là. Waouh. Tu vas bien, j'espère. Comment tu vas? Tu m'as gardé, j'espère. Ah, mémé Moa, ça fait longtemps que tu appelais, que s'est-il passé? La mauvaise route. Et je ne voyais pas de mouton à la gare. C'est d'accord. Où est mon père? Je vais le voir. Calme-toi, il est à l'intérieur. Tu veux le voir dans son sanctuaire? Il est au sanctuaire? Allons d'abord à l'intérieur. Je suis vraiment contente de te voir. Elou Melou, mon frère! Agunaya. C'est si bon de te voir. Ouais, content de te voir aussi. Tu sais, notre business d'église peut commencer. J'ai maintenant les pouvoirs. Honnêtement, mon père m'a donné les pouvoirs, je les ai essayés et ça a marché. Je fais des prodiges et des miracles. Je veux commencer le business de l'église, mais je n'ai pas d'argent. Je ne voulais pas demander à mon père parce que tu m'as promis de le sponsoriser. C'est clair. Je vais le sponsoriser. Mais d'abord, on doit faire certaines choses. Hein? On doit avoir un avocat pour signer un accord sur les pourcentages. Eh, je sais à quoi tu penses. On est les meilleurs amis. Mais c'est le business. Hein? Et toi et moi savons que... Le business... C'est le business. Oui. Toi et moi savons que le business de l'église est le business le plus lucratif dans ce pays. Tu as raison. Tu as vraiment raison. N'aie pas peur, appelle ton avocat, invite-le. Qu'il apporte n'importe quel document, je vais signer parce que nous faisons de vraies affaires. C'est bien d'entendre ça. On doit aussi contacter l'agent immobilier, oui. Parce que, tu sais, cette église doit être sur un très bon site.
un très bon site pour vendre notre business. Gloire! Hey! Gloire! Je t'en prie. Toste aux belles idées. Oui, mon frère. Waouh! Alors, papa, que fais-tu concernant les plans de mon frère? Ton frère, Aguna? Oui, papa. Aguna a changé maintenant. On dirait que Uday ne t'a rien dit. Papa. Mon frère a vraiment changé? Comment? Personne ne m'a rien dit. Eh bien, il était ici il y a quelques jours. Ne t'en fais pas. Ton frère va tout te raconter. Mon Dieu. Comment est-ce arrivé? Hey. Je suis vraiment choquée. Seul Dieu peut nous le dire. Et en passant, comment vont tes études? L'école va bien, papa. Et par la grâce spéciale du Dieu, je sortirai de là bientôt la tête haute. J'ai confiance en ma fille. Oui, papa. Hmm? Ah, mon Dieu. J'aurais souhaité que ta mère soit là pour être témoin du succès de sa fille. Elle a toujours été très fière de toi. Ça me fend aussi le cœur. Elle me manque tellement. Elle me manque aussi. Mais Dieu a le dernier mot. Hmm? C'est bon, papa. Ça va aller. Je vais rentrer à l'école demain. Rentrer à l'école? Oui. Alors pourquoi t'es venue à la maison? Pour voir mon père, bien sûr. Tu me manquais, alors j'ai décidé de venir te voir. Est-ce un crime? Papa, ne t'en fais pas, je viendrai de temps en temps pour te rendre visite. C'est d'accord. Ok, cela me revient. Qu'en est-il du jeune garçon qui était venu te demander un mariage? Papa, je ne suis pas prête. J'aimerais juste me libérer avec l'école avant de penser au mariage. D'accord, ma fille. Tu me rappelles beaucoup ta mère. Que son âme repose en paix. Amen. Ma chérie, j'ai épousé ta mère quand elle avait 16 ans. Franchement, elle était encore toute jeune. Papa. Tu sais, ton grand frère est venu au monde quand j'étais seulement âgé de 18 ans. Comme tu peux le voir, si je sors avec lui, beaucoup vont croire que nous sommes frères. Les gens ont tendance à nous prendre pour des frères, alors que je suis son père, vraiment très jeune et très fort. Si je décide maintenant de sortir et de faire la cour à des jeunes filles, elles vont certainement me courir après. Oui. Il n'y a pas de problème, papa. Qu'en est-il de ta nourriture? Je te la porte? Non, non. Laisse-moi d'abord finir ceci. Hello, Melo. Oui? Je crois que l'argent peut les convaincre de nous laisser utiliser l'église. Mm-hmm. Mais le problème sera les membres. Comment avoir des membres? Les membres ne sont pas un problème. On peut faire des miracles. Pour au moins 5 personnes. Et ces 5 personnes répandront la bonne nouvelle de tes miracles à toutes les autres personnes. Ensuite, ils se déverseront comme de l'eau. Mais comment faire pour avoir ces 5 personnes? C'est simple. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre ta Bible, aller au marché ou tout endroit public, prêche l'évangile, fais des miracles. Ressuscite un mort. S'il y a un mort là-bas, montre que tu es capable de faire ça. Fais voir les aveugles. Je suis sûr que c'est un gros scoop dont les gens vont parler. Et comme ça, ils vont remplir ton église. Ouais, ça semble convaincant. Ok, ça paraît bon, c'est dire que nous allons ensemble pour évangéliser. Ah, non. Agunaya, c'est ton job. Tu es le pasteur, tu as oublié? Je suis juste le financier. Mm-hmm. Donc tu vois, c'est ton job. Tu veux que je sorte dans la rue tout seul? Prêcher et guérir les malades, comment vais-je faire ça? Agunaya, je te fais confiance. Ok? Tu as les pouvoirs.
Tu es le guide. Tu es le pasteur du peuple. Mec, c'est très ridicule. Je te fais confiance. J'ai la foi que ça marchera. Je dois me jeter à l'eau. Ok, fais bon voyage. J'ai compris. Papa, hein? Papa, prends bien soin de toi. Hein? Je viendrai te rendre visite de temps en temps. Ok? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Mémé. Papa? Tu connais la famille d'où tu sors. Bien sûr, papa. Je t'en prie. Ne pratique surtout pas les choses immorales à l'école. Papa. N'intègre pas les sectes pernicieuses. Ne tue pas, cela est interdit dans notre famille. Hein? Bien sûr. Ma fille, le bonheur est en partage. Amen. Papa, je t'ai toujours promis d'être une bonne fille. Alors, je serai toujours une Merci bonne beaucoup. Fille. Merci, papa. D'accord. Ah, Odé, qu'est-ce que tu fais? Accompagne-moi papa, tout de suite. S'il te plaît, je vais causer avec elle. S'il te plaît. Je sais que vous êtes tous les deux comme des jumeaux. Hein? Allons-y. Et assure-toi de rentrer un peu plus tôt. Nous devons réparer cette voiture. Hey. Ouais. Odé, c'est à toi que je parle. Rentre, attends. J'ai compris, papa. J'ai compris. Il aime trop ça. Hey. Je vous apporte la parole du salut afin de connaître Dieu dans sa profondeur. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est bonne et éternelle. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La parole de Dieu est une lampe. Si vous avez Dieu, vous avez la lumière. Le diable ne pourra pas vous approcher. Le diable ne pourra pas vous atteindre parce que vous êtes des enfants de lumière. Je vous exhorte de vous repentir et donner vos vies au Christ. Donnez vos vies à Jésus-Christ. Madame Idoni, donnez vos vies à Christ. Donnez vos vies à la parole qui vous a créé. La parole qui vous bénit. La parole qui vous élève. Ne tardez plus. Donnez vos vies au Seigneur Jésus. Donnez vos vies au vrai Dieu. Donnez vos vies au roi de gloire. Venez à Jésus. Donnez-lui vos vies aujourd'hui. Tata Pédicure, donnez vos vies au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Donnez-lui vos vies aujourd'hui. Ne tardez plus. Bénédiction au couple. Succès et succès. De promotion en promotion. Tata blanchisseuse, donne ta vie à Jésus. Tu vas prospérer. Tu ne souffriras plus jamais. Tu iras de gloire en gloire. La parole de Dieu est la lumière. C'est une lampe à mes pieds. Une lampe à mes pieds. Donnez vos vies au Seigneur Jésus. Donnez-lui vos vies. Et vous tous, vous serez bénis. Au nom de Jésus. La parole de Dieu est merveilleuse. Dieu peut résoudre des problèmes et il en est capable. Jéhovah Rapha, jeune fille. Je peux voir que vous êtes aveugle. Oui, pasteur. L'Esprit de Dieu est en train de me rendre ministère et me faire comprendre que cette cécité n'est pas de naissance et que ce n'est pas de ta faute. Ça vient du fond de l'enfer. Mais aujourd'hui, le Dieu que je sers te rendra libre et je déclare que tu verras. Amen. Par l'onction qui coule en moi et par l'onction du Saint-Esprit,
Je déclare et je décrète que tu retrouves la vue. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Mon frère. Tu vois? Je peux te voir. Tu peux me voir? Mais je te vois bien. Pasteur. Gloire à Dieu. Merci, pasteur. Gloire soit rendue à Dieu. Merci. Merci. Pour merci. Merci. Le miracle qu'il a opéré. Laisse tomber ça. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Mon père. Mon père. Mon père, mon père, le sang d'Israël, alléluia, le Seigneur est merveilleux, donnez-lui vos vies. Je dois voir ce gars. Je vais l'appeler. Hey. En parlant du loup, j'étais juste sur le point de t'appeler. Wow, j'ai appris ce que tu as fait. Plus de miracles. Tu as fait voir une aveugle. Claire comme l'eau de roche. Wow. Je partageais les flyers et les gens couraient. Les billets? Oui, le nom de l'église est captivant. Ok, bon. Quel est le nom écrit sur les billets que t'as partagé? Toi-même, tu peux lire et constater. Écoute, l'église de Dieu de la solution finale des miracles. Agunaya. Agunaya. Wow. Nous sommes dans le business. Ça c'est... Un super business. Nom, je veux dire. C'est très captivant. Oui. Attends, dis-moi, où as-tu pris ce nom? Comment l'as-tu trouvé? Je l'ai vu dans mon rêve et je l'ai choisi. Agunaya, tu fais déjà des rêves? Eh bien, je ne sais pas. Et franchement, je ne sais pas. Je l'ai juste vu dans mon rêve et je l'ai choisi. C'est un gros business. Gros business, c'est Lumelo. Agunaya, fais ton sang, mon frère. J'apporte à boire. C'est ça, on doit nous allons célébrer. Wow. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Dieu vivant. Alléluia. Ce sera un grand et glorieux service aujourd'hui. Si vous êtes vivant, dites l'Esprit du Seigneur est ici. Oui. Il visitera chacun d'entre vous dans vos différentes maisons au nom de Jésus. Il y aura des percées extraordinaires. Amen. Les hôtels seront brisés. Amen. Vous serez abondamment bénis. Amen. Le bonheur est votre partage. Alléluia. Tout est possible dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oui, Saint-Esprit. Qui est Joy? C'est mon pasteur. C'est toi, Joy? Oui. Tu ne cesses de faire des rêves sur quelqu'un qui te poursuit et qui veut te tuer. Vrai ou faux? Oui, homme de Dieu, c'est vrai. Ce rêve, tu le fais continuellement toutes les nuits, n'est-ce pas? Oui, homme de Dieu. Il vient des profondeurs de l'enfer. Tu es attaqué par quelqu'un qui est très proche de toi, un de tes voisins, et il te veut mort à tout prix. Hey, et si je ne prie pas pour toi, cette personne va réussir. Hey, tu finiras six pieds sur terre. Hey, homme de Dieu, s'il vous plaît, priez pour moi. Vas-y, viens. Parce que tu vis, Seigneur, ton enfant ne sera jamais atteint. Amen. Le diable ne peut pas avoir le dessus sur elle. Amen. Que le peuple dise Amen. Amen. Par l'onction du Saint-Esprit,
je déclare que toute flèche de l'ennemi contre toi, depuis les profondeurs de l'enfer, soit détruite maintenant. Je brise ça maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je libre. Frère Joe. Homme de Dieu, je suis Joe. Tu es le frère Joe. Oui, homme de Dieu. Je viens de recevoir un message de la part du Saint-Esprit. Actuellement, tu poursuis un contrat. Vrai ou faux? Oui, vrai ou faux? Un très gros contrat. Un gros contrat, homme de Dieu. J'ai vraiment besoin de ce contrat. J'en ai besoin, s'il vous plaît. Priez pour moi. Ce contrat, tu l'as déjà. Amen! Amen. Tes adversaires échouent. Amen! Amen! Amen. Ton contrat est d'une valeur de 100 millions de naira. Oui, homme de Dieu. Oui, ça l'est. En ce moment, l'esprit me demande de te dire que tu dois donner une semence de 30%. Du moment que tu respecteras cela, tu seras riche. Tu crois en cela? Oui, homme de Dieu, je crois. Viens par ici. Par l'autorité du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit, je décrète la prospérité. Amen! La croissance dans tous les domaines. Amen! L'expansion au-delà de l'imagination humaine. Amen! Richesse et témoignage. Tu auras ce contrat. Amen! Scellé au nom de Jésus. Amen! Ah, et attends ton témoignage. Amen! Merci. Merci, homme de Dieu. Peuple de Dieu! Sommes-nous tous en esprit? Oui! Je ne vous entends pas. Sommes-nous tous en esprit? Oui! Que tout le monde dise Levez-vous et adorez le Seigneur. Bon, dis-moi, quelle est cette nouvelle que tu veux m'annoncer? Les bonnes choses ont déjà commencé. Laisse-moi te dire que juste un seul culte, on a eu beaucoup d'argent. Agunaya, parle-moi, que se passe-t-il? J'ai prophétisé à un homme qui attend un contrat de 100 millions de naira. Il était à l'église. Je l'ai appelé, il s'est levé. J'ai prié pour lui. Je lui ai dit qu'il aura le contrat. Et je lui ai aussi dit qu'à l'accomplissement de la prophétie de Dieu, il devra donner 30% de son argent. Et il a accepté. « 30% de 100 millions de naira. »« 30 millions de naira. » Nagam. Ouais, la vie est belle. Ça, c'est du business. Ça, c'est juste en un seul culte. Imagine juste qu'on a deux ou trois cultes par dimanche. Tu vois ce que ça donnera. Mon frère, passe des appels. Quoi? Passe des appels, on a besoin de 5 femmes. Pour te masser. Oh, non. Attendons que l'argent entre dans nos comptes. Lorsque l'argent sera entré dans notre compte, on appellera 20 filles éthiopiennes pour nous masser. Ben me! Agunaya, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Ça, c'est une idée de génie. Allô, papa? Ejelin Nam. Je t'appelle juste pour te dire merci. Papa, la puissance a commencé à se manifester. Tu imagines que dans la route l'autre jour, j'ai guéri une fille aveugle? Oui. En fait, je suis allé prêcher au marché. Les miracles se produisaient un peu de partout. Je n'arrivais pas à y croire. Je t'appelle juste pour te dire merci et te dis quand je viendrai au village. On ira dans cette rivière pour dire merci à Ezewagne. Merci, papa. Ijelenam. Ok, je vais t'appeler, je vais t'appeler. Ça marche. Le Seigneur est bon pour l'éternité. Hehehehe.
Viens prendre ta place, Seigneur. Viens prendre ta place, Seigneur, dans ma vie. Viens prendre ta place dans ma vie. Saint-Esprit par le feu. Gloire à Dieu. Alléluia. Reine-mère des rivières, nous sommes là ce jour pour chercher ta face. Vu que ton fils veut obtenir ce contrat, et il a mis toute sa confiance en toi, pour que tu lui accordes la victoire. Nous cherchons ta grâce, nous cherchons la providence. Jor, homme de Dieu, viens par ici. Tu obtiendras le contrat. Tu seras riche en euros et en dollars. Tu te multiplieras plusieurs fois. Tu seras plus grand que tous tes pères. Amen. Amen. Tu vas briller comme une grande étoile dans le ciel. Amen. Amen. Iga kweriba buano. Amen. Amen. Mais tu dois promettre quelque chose. À la fin de tout ça, tu dois revenir avec l'action de grâce. Oui, homme de Dieu. Je reviendrai à coup sûr pour l'action de grâce dès le moment que ce contrat me sera octroyé. Tout est accompli pour toi. Reine des rivières, nous avons fait ce que tu as dit. C'est maintenant à toi de faire comme tu l'as dit. Et nous faisons la promesse que lorsque ce sera fait, il reviendra avec la semence. Tu confirmes cela? Oui, je le promets. Je promets de revenir avec une action de grâce. Dès le moment où j'aurai ce contrat. C'est accompli pour toi. Amen. Saint-Esprit par le feu, par le feu. Saint-Esprit par le feu, par le feu. Saint-Esprit par le feu, par le feu. En fait, je comprends. Je vois. Le genre de terrain que vous voulez est... Et aussi la zone dans laquelle vous le voulez. Exactement. Je veux beaucoup d'hectares dans cette zone. Et je veux construire une très grande église moderne dans cette zone et... J'ai besoin d'espace pour le parking. Oui, je comprends. Je comprends. Et quand exactement avez-vous prévu de commencer les travaux? Tout ce que je vous demande de faire, c'est juste de me trouver un terrain. Je veux commencer à construire l'église. Construire l'église de Dieu. La date de la construction ne vous concerne pas. Trouvez-moi juste du terrain. Ok. Je m'en excuse. Yeah.
Veuillez vous asseoir. Dans la présence du Seigneur, il y a une plénitude de joie. Le diable n'est qu'un menteur. Le diable n'a aucun pouvoir dans cette concession. C'est vrai, c'est vrai. Ayeke Wemeli. Ayeka Gaga Neru. Parce qu'il vit, nous avons un avenir. Amen. Aucune arme forcée contre vous ne peut prospérer. Amen. Eh, gloire. Glorieux. Stella. Qui est Stella? Oui, homme de Dieu. C'est toi, Stella? Oui, homme de Dieu. Tu as 11 millions de naira dans ton compte. C'est vrai, homme de Dieu. Tu poursuis un contrat de 200 millions de naira. Oui, homme de Dieu. Tu auras ce contrat. Amen. Amen. Tu seras une multimillionnaire. Amen. L'Éternel des armées l'a décrété. Amen. Quand tu seras riche, tout le monde autour de toi sera bien. Amen. Ton ex-mari t'a abandonné et a fui à l'étranger. Oui, homme de Dieu. Maintenant, il a une nouvelle femme. Eh oh, Jésus. Aujourd'hui, les larmes que tu as versées sont terminées. Comme le Seigneur t'a restauré. Hey. Tout ira bien pour ton âme. Amen. Aujourd'hui, je décrète la plénitude de la manifestation de la bénédiction du Seigneur. Amen. Ta bénédiction viendra de l'est et de l'ouest. Amen. Reçois au nom de Jésus. Amen. Agogwa soa gaga se ase. Tineke na bwa bwa bukoga. Est-ce que l'église peut crier alléluia? Tout se passera bien pour vous, sœur Stella. Oui, homme de Dieu. Je t'ai appelé ici dehors parce que le Saint-Esprit m'a rendu ministère. Il m'a donné un message pour toi. Ok, homme de Dieu. Le Saint-Esprit m'a demandé de te dire que dans les 11 millions de naira que tu as dans ton compte, tu vas financer la construction de l'église avec 10 millions de naira. Et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Il n'y a pas de problème, homme de Dieu. Je suis prête à tout sacrifier pour Dieu. Alléluia. 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 Je te vois en train de parcourir le monde entier en jet privé. Oh, oui. Merci, Jésus. Le Seigneur sur le point de faire de toi une multimillionnaire. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Dans quelques jours, toi et moi, nous irons quelque part. Nous allons avoir un temps à part pour un jeûne de prière très sérieux. Ok, homme de Dieu. Je te donnerai les détails de tout ça. D'accord, homme de Dieu. Merci beaucoup. Je te suis reconnaissant. Je t'en prie. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Merci, monsieur. Tu es béni. Amen, homme de Dieu. Merci. Frère Joe. Pasteur. Comment tu vas? Pasteur. Sois le bienvenu. Merci Prends beaucoup. Place. Merci. Je t'en prie. Comment va le boulot? Pasteur, le boulot va bien, comme tu peux le voir. Ouais. Bien. Quand tu appelais, je croyais que tu étais arrêté. Pas vraiment. J'étais en train de sortir de chez moi quand je t'ai appelé. Ok, ça c'est bien. Que Dieu te bénisse. Merci vraiment beaucoup, pasteur. Pasteur, je veux vraiment te remercier pour toutes tes prières et ta bienveillance. Et je suis ici pour te dire que le contrat pour lequel tu as prié m'a été finalement accordé. Gloire à Dieu. Ouais. Que le Seigneur soit ouais. Loué. Et aussi, comme je t'avais promis que j'apporterais 30% de tout ça, voici alors un chèque de 30 millions de naira. Wow. Merci beaucoup. Wow. Le Seigneur est fidèle. Bien sûr qu'il est vraiment fidèle. Merci d'avoir respecté la parole du Tout-Puissant. Bien sûr, pasteur. Ça, c'est juste le début.
Bien sûr. Les miracles sont en route. Amen. Amen. Des portes ouvertes. Amen. Plus Amen. De percées au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Ceci m'a prouvé vraiment que tu es un vrai homme de Dieu. Oui. Sa parole n'échoue jamais. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alors, vu que la femme a acheté le terrain, tout ce qui reste, c'est juste l'argent des constructions et des autres choses. Croisons juste les doigts. Il y aura plus d'argent. Ouais, c'est une bonne idée. Je suggère qu'on prenne 20 millions dans les 31 millions que le frère Joe a apportés. On l'utilise pour la construction de l'église et on partage les 10 millions restants. Tu sais qu'on doit s'occuper de nos besoins personnels. Tu as raison. Nous avons besoin d'argent pour nous-mêmes. Uh-huh. Les dieux ne seront pas fâchés si on fait de temps en temps les fêtes nocturnes. Je vais appeler les meufs, tu sais comment ça se passe, non? Oui, s'il te plaît, appelle-les. Je vais les J'ai appeler. J'ai vraiment besoin de massage. Le business d'église n'est vraiment pas... Tu as raison, mon frère. Thank you.
Alléluia. 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 Aujourd'hui, c'est le jour de Dieu. Aujourd'hui, je viens avec de bonnes nouvelles. Oui. Voulez-vous les entendre? Oui. Êtes-vous sûr de vouloir entendre ça? Oui. Si vous voulez les entendre, dites ah 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 ah. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, c'est la joie. Je suis là aujourd'hui pour vous annoncer que nous avons acheté un terrain pour construire la nouvelle église. Jésus est grand! Que quelqu'un pousse des cris de joie! Alors, d'ici quelques temps, nous allons tous quitter d'ici pour aller dans une superbe cathédrale. C'est quelque chose à célébrer. Livons-nous pour célébrer le Seigneur. Alléluia. Reine-mère de la rivière, aisez-moi, Yemiri. Nous sommes venus aujourd'hui pour chercher ta face. Ton fils est venu chercher le succès dans ses affaires et ta fille est venue demander davantage. Nous savons que tu peux le faire car tu l'as fait pour mon père. Viens écouter leurs supplications. Ezewanyemiri, je sais que tu peux les bénir. Je sais que tu peux les élever. Qu'ils soient plus riches. Qu'ils soient plus riches. Magaligo luagwa.
Ifana kweze gomwan. Abiamia gozo. Recevez. Vos requêtes ont été exaucées. Amen. Merci, homme de Dieu. Vous serez riche au-delà de l'extraordinaire. Amen. Aucun de vos contemporains ne rivaliseront avec vous. Merci, amen. N'oubliez pas de venir avec vos actions de grâce. Merci, homme de Dieu. Allez-y. Je ne savais pas que les pasteurs boivent de l'alcool. La Bible n'interdit pas l'alcool. Certains pasteurs jugent ça pour maintenir les gens dans la doctrine. C'est juste de la doctrine. Ce n'est mentionné nulle part dans la Bible. Dès le premier jour où tu es entré dans mon église, tu m'as beaucoup plu. Tu es une femme très responsable, sans parler de ta beauté. Honnêtement, j'espère qu'on peut être amis. Je ne te comprends pas, Pasteur Aguna. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je suis un être humain. Malgré le fait que je sois un pasteur, j'ai du sang qui coule dans mes veines. Et j'ai aussi des sentiments. J'ai le droit d'exprimer ces sentiments, n'est-ce pas? C'est vrai. Voilà. Alors on peut être des amis. Pas de problème. Bien. Merci. De rien. Pasteur, je dois déjà y aller. Je dois vraiment y aller. Tu es sûre de ne pas vouloir rester un peu plus longtemps? Non, je dois y aller. D'accord. Au revoir. Je suis sensible à l'alcool. Oh, doucement. Attention. Salut, Stella. Comment suis-je arrivé ici? Tu as saoulé et on a fini ici. Tu veux dire qu'on l'a fait? Ne me dis pas que tu ne sais pas qu'on l'a fait. Tu m'as embrassé et tu m'as demandé de... Ça suffit. Ça va. Tu ne te souviens pas quand tu disais plus fort? Oh Seigneur Jésus. En tout cas, je dois aller au site de construction pour voir comment avancent les travaux de l'église. Tu dois d'abord me déposer. Ok, sans problème, je dois m'habiller. D'accord? Papa! Namo! Papa, où es-tu? Papa,
fais maintenant de l'argent. Ouais, ça se voit sur toi. Je suis riche. Ça se voit clairement sur toi. Exactement. J'ai acheté un terrain et très bientôt la construction de mon église sera terminée. Et là, je vais commencer à faire des miracles. Na, papa. Agonia. Poreto. Poreto. Poreto Uchizigo. Je suis très content d'entendre tout ceci. Merci, papa. Merci, papa. Les choses se passent bien. Je vois. Les choses se passent bien. Tout se concrétise. Je vais prier pour toi. Et je vais te délivrer. Bah, j'allais dire une bêtise. Tu veux me délivrer? Je plaisantais, papa. Je suis tellement content que tu sois si riche et très heureux. Merci, papa. Je dois te remercier pour ça. Tu as fait un bon souci aujourd'hui. Oh, je vois que tu as déjà une voiture. Quoi, Gounoufou? Mais attends une seconde. Je crois que ton père aussi a besoin de bénédiction. Pas du tout, Black. Parce que tu es la source de cette manifestation. Hey, Isogine, t'es comme ta mpoko. Je peux parler en langue et m'enrouler maintenant. Ah, non. Je vais révéler ta vie. Odogu. Nemo. Oh, aïe. Isogine, fag dog. Badigo, madigo. Dieu te bénisse. Car la Bible dit, béni soit celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. La Bible demande d'être juste. Choisis sagement ta compagnie, choisis bien les gens. Oui, choisis bien les gens avec lesquels tu passeras ton temps. Car ta compagnie te définit, définit qui tu es. Il définit tes valeurs et les choses qui te tiennent à cœur. La parole de Dieu est la lumière et la vie, et elle ne ment pas. Elle ne peut pas changer. Comme cela était au commencement et cela le restera pour toujours. Ça ne peut pas changer. Toute action a une conséquence. Chaque rassemblement a son objectif. Choisis bien où tu dois aller. Oui. Ne sois pas parmi les menteurs et les pécheurs. Car lui seul est la lumière, et en lui l'éternité. Amen. Ainsi, mes frères, je vous exhorte aujourd'hui de porter toutes les armes de Dieu et de marcher dans la voie de la justice et de marcher dans la voie du Très-Haut. Car lui seul est le commencement et la fin. Avec qui traînes-tu? À quel endroit est-ce que tu vas? Quel lieu fréquentes-tu? As-tu pris le temps de réfléchir? As-tu pris le temps de te remettre en question? Qu'est-ce que j'accomplis en étant ici? Qu'est-ce que je gagne en étant ici? Voilà ce que tu dois te demander. Dieu n'est pas un menteur, il ne ment jamais. Il est écrit que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. C'est pour cela qu'il est Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Alléluia! Alors, sur ce, je vais appeler la sœur Evangelica pour nous donner une puissante adoration. Que tout le monde se lève pendant que je marche dans la salle. Mettez-vous sur vos pieds. Mettez-vous sur vos pieds. C'est un jour de grâce. C'est un jour de joie. C'est un jour de témoignage. C'est un jour de louange. C'est un jour de témoignage de miracle. L'année lévisie, hein? Bande barici, dada. Reine de la rivière. Ezemoigne, Miri. Ta fille est venue chercher ta face cette fois-ci. Concernant le contrat qu'elle veut avoir. Je sais que tu peux le faire pour elle, Ababuyoyo. De la même manière que tu l'as fait pour mon père, tu peux le faire pour moi. Tu lui donneras ta bénédiction. Iromogakwaya. Elle aura ta providence. Thank you.
Lève-toi. C'est fait. Ce contrat est automatiquement à toi. Merci, homme de Dieu. Aisez-moi, Miri l'a fait. Mais tu dois promettre de revenir avec l'action de grâce. Est-ce que tu as compris? Tu es sûr? Il est à toi. Va en paix. Merci, homme de Dieu. Je veux qu'on s'occupe de notre groupe et qu'on l'unisse ensemble. Le programme à venir est très important et je ne veux pas que quiconque le gâche. Stella, tu es en retard avec ton groupe. J'aimerais savoir, es-tu incapable de le gérer ou alors tu t'en fiches? Angela, je n'aime pas la façon dont tu me parles. Que veux-tu dire? Comme si je m'en fiche ou que je suis incapable de gérer ça. Serais-tu en train de me défier? Hein? Tu me défies? Écoute, je suis la femme du propriétaire de cette église. Je reçois des ordres venant de moi. Vraiment? Oui. Je suis l'une des fondatrices de cette église. Où étais-tu quand on se battait à construire cette église? Même ton mari ne peut pas me parler comme ça. Tu es vraiment stupide, Stella. Tu mêles mon mari dans cette histoire. Je peux voir que ça ne va pas là-dedans. Comment oses-tu? Vraiment? Je dois vraiment être stupide de t'avoir laissé être chef du groupe de femmes. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Oh, je vois. Hein? Respecte-toi. Dégage! Respecte-toi. Dégage! Respecte-toi. Dégage! Disparais! Écoute, qu'elle s'en aille! Avec ou sans elle, cette histoire va marcher. Fontaise! Regarde-la-moi! N'importe quoi! C'est quoi tout ça? Chérie, est-ce que Stella était avec toi? Dans les débuts de cette église. Oui, pourquoi? Aujourd'hui, à la réunion des femmes, j'ai juste demandé à Stella de bien gérer son groupe, juste parce que ses membres sont loin derrière. Peux-tu imaginer que Stella s'est emportée et s'est mise à m'insulter? Elle dit que je l'ai insultée et qu'en effet, elle n'aurait pas dû me laisser être le leader du groupe des femmes. Elle a dit ça? Elle s'est même levée et a quitté la réunion. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qui arrive à Stella? Elle n'a jamais été comme ça. Chérie, la jalousie. La jalousie. Jalousie? Pourquoi? Oui, parce que je l'ai ressentie dans son ton quand elle grondait. Ça, c'est de la jalousie. Stella. Sœur Stella, tu aurais dû lui montrer du respect, sachant bien que c'est mon épouse. Et elle n'aurait pas dû m'insulter en présence de tout le monde. À dire vrai, ta femme ne respecte personne et elle ne le mérite pas. Je ne te permets pas de parler de ma femme de cette manière, tu as compris? Et que vas-tu faire? Que vas-tu faire, Aguna? Si tu tentes de me déranger, je vais t'exposer. Quelle est cette stupidité que tu viens de dire? Une stupidité? Aguna, tu as dit stupide? Qui parmi nous est stupide? Un homme qui trompe l'église en utilisant la magie et les rituels. Un faux pasteur. Qui entre nous deux est stupide ici? Stella, tu n'as pas envie de goûter à ma colère. Et si je le fais, que vas-tu faire? Que vas-tu faire, Aguna? Que vas-tu faire? Je vais franchement t'exposer. Et ta femme-là te quittera dès qu'elle apprendra tes secrets. Faux homme de Dieu. Je sais comment m'occuper de toi. Tu veux me tuer? Aguna, tu veux me tuer? Je vais te dire un truc. Même si tu réussis à me tuer, tu partiras sans doute avec moi. This life is full of mystery, yeah. Be careful where you go for prayers. Be careful the places you go. Depuis que j'ai eu des problèmes avec Aguna et sa femme, des choses étranges ne font que m'arriver. Hein? Je ne fermerai pas la bouche. Je dois parler. Même si je dois mourir, Aguna doit mourir avec moi.
Je ne fermerai pas la bouche. Je dois parler. Oui. Oui, il le faut. Inspecteur, cette enveloppe contient 100 millions de naira, ainsi que toutes les preuves. Au cas où je disparaîtrais, cette enveloppe vous conduira tout droit à mon assassin et à la raison de ma disparition. N'ouvrez pas cette enveloppe jusqu'à ce que je meure. Madame, mais pourquoi ne pas me dire qui en veut à votre vie? Pour que Megar et moi mettons cette personne derrière les barreaux, afin qu'il repente de ses actes. Non, c'est mon ami. Et je ne veux pas frapper en premier. S'il me frappe et me tue, même morte, je le frapperai en retour. C'est la raison de cette lettre. Madame, dites-moi, c'est votre dernière décision? Je le suis, inspecteur. Be careful where you go for prayers. Be careful the places you go, no, no. Some are using the name of God, stealing money from people. Some are calling the name of God in vain. Some are using the name of God for powers and miracles. Some are using the name of God, oh no. Alleluia. Un instant, au gars. Au gars, attendez. Bonjour, au gars. Quelqu'un m'a demandé de vous donner ça. Quelqu'un? Oui. Tu ne sais pas qui est cette personne? J'ignore la personne. They are using the name of God to the sick people. They are using the name of God because of money. They are using the name of God in vain. Aguna, si tu tentes quelque chose, ta femme et tout le monde seront mis au courant de toutes les histoires. Et aussi, la seule chose qui peut te sauver, c'est de venir me retrouver à cette adresse. Ouvre le portail maintenant! D'accord. Things that happen, mama, kule mama. Oh no, no, mama, kule mama. Things that happen, mama, kule mama. Mama, je te suggère de rappeler Stella. C'est une bonne personne. Et tu sais qu'elle a donné beaucoup d'argent pour le progrès de cette église. Rappelle-la, s'il te plaît. Oui. Pardon. Oui, laisse-la revenir. On a besoin d'elle et ça nous ferait plaisir. Honnêtement, mais si tu ne veux pas la rappeler, je suggère qu'on en parle au pasteur. Il a le dernier mot. Mama, non. Si tu veux mon avis, ne la rappelle pas. Oh. Non. Stella, lève-toi et quitte cet endroit avant que je ne te frappe. Tu vas me faire quoi? Lève-toi, mon ami. Écoutez ce qui sort de la bouche d'une femme qui est censée être la chef du groupe des femmes. Honte. Honte. Tu ne me connais pas. Je t'assure que tu ne me connais pas. Tu ne connais pas l'homme que tu as épousé. Hein? Ondila. Espèce de sorcière. Tu n'es qu'une pute. Dégage. Tu auras de mes nouvelles. Dégage. Dégage. Foutaise. Pouvez-vous imaginer? Voici la femme que vous voulez que je ramène dans cette église. Maman, tu vois pourquoi je t'ai demandé de ne pas la rappeler. C'est quoi toutes ces conneries? Chérie,
Stella m'a insultée aujourd'hui. Quoi? Elle m'a dit qu'elle te connaît plus que moi. Chérie ignore Stella. Tu sais, je commence à croire qu'elle a des problèmes spirituels et qu'elle a besoin de délivrance. Oh. Mais elle refuse de l'accepter. Dans ce cas, tu dois programmer une séance de libération pour elle. Comment vais-je faire cela? Jésus! Qu'est-ce qu'il y a? Chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ce que Stella m'a envoyé. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Chérie... Donc tu couches avec Stella? Non, 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 non. Oh mon Dieu! Crois-moi, c'est arrivé il y a plusieurs années avant même qu'on ne se marie. Je ne sais pas pourquoi on vient révéler ça pour détruire notre mariage. Donc tu couches avec Stella? Je ne couche pas avec elle. Comprends pourquoi elle m'insulte? Chérie, crois-moi, c'est arrivé avant notre mariage. Ah mon Dieu! Il y a longtemps de cela. Je l'ai dit que cette fille est vraiment mauvaise. Je vais la traiter en conséquence. Crois-moi. Peux-tu me croire? Oh mon Dieu! Te plaît. Je suis désolée. Je n'arrive pas à y croire. S'il te plaît, chérie. Elumelu, je ne vais pas bien. Ça prend déjà une autre dimension. Stella a envoyé des photos à ma femme. Oui, j'essaie de mentir à propos, mais elle est déjà fâchée contre moi. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Mais je dois vraiment la rencontrer. Non, non. Ne le fais pas maintenant, ok? Patiente. Je dois la voir de mes propres yeux. Il faudrait qu'on parle face à face. D'accord. Ok. Bye. Some are dangerous, some people don't know what you think they are. Oh yeah. Chérie. Tu devrais voir à quel point tu es belle. Ce make-up est très beau. Oh chérie, tu es si gentille. Je vais le poster sur Internet. Vraiment? Ouais. Waouh. Chérie, tu me fais rougir. Je rougis. Tu le mérites, tu es ma femme. Mais t'es trop canon, tu sais. Regarde comment tu es. Oh mon Dieu. Monsieur Aguna Uchebe, je suis l'inspecteur Mayor. Je vous arrête pour le meurtre de Stella. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz ou ferez sera utilisé contre vous dans un tribunal. Stella? Stella est-elle morte? C'est la première fois que j'entends ça. Officier, je n'ai pas quitté cette maison depuis le matin. Peut-être me prenez-vous pour quelqu'un d'autre. Peut-être, mais vous devez venir avec nous au poste. Allons-y. Allez, levez-vous! Debout! Chérie, un instant, chérie. Ne pas, je vais... Allons-y, allons-y. Tranquillement, allons-y. C'est compris, je vais attendre. Pouvez-vous m'accorder le bénéfice du doute? Je suis innocent. Au poste. Papa! 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 Viens, s'il te plaît. L'heure est très grave, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, ah, c'est grave. J'ai reçu un coup de fil disant qu'on a arrêté Aguna. Oui, mon Aguna, pauvre frère arrêtez. Aguna. Oui. Arrêtez, pourquoi? On dit que c'est une affaire de meurtre. Non, 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 une non. Une affaire non. de meurtre, ce n'est pas possible. Mon fils Aguna est incapable de tuer. Il ne peut pas tuer. Il le sait. Ah, il ne peut pas tuer. Il sait que le meurtre est proscrit dans cette famille. Papa, comment? Comment peux-tu dire ça? Souviens-toi de la dernière fois qu'Aguna est rentré. Il est rentré avec beaucoup d'argent. Et... Assez! Tais-toi! Je connais mon fils et je sais ce qu'il fait pour vivre. Aguna ne peut pas tuer. Aguna, mon fils, celui que je connais, ne peut pas tuer. Aguna. Hey, Ororo Aguna. Osororuna. Hi. Agua una sese unute mudoga di. Unuchinu doga di. Okwa nune no gire do duwe kurugi diji.
Unu sinu do gadi e. Ogi neme. Unu giji e do konu o. Ome gini kono guo. Maka chuku kona guwa gole ganu o. Ome ni jine kodu o. Hai! Orori nenu ne. Aro buragu. Eze nwani chine. Ndi chie. Adanu. Akwanu mbaseke mbasuko mbasuko mbakuko kunu kondeme. Kwago kene konu ne debube. Ils sont en train d'accuser mon fils de meurtre. Je veux savoir. Réponds-moi. Est-ce que mon fils a vraiment tué? Ah. Ah. Alors on l'accuse forcément. Je connais mon fils. Il est incapable de tuer. Il ne peut pas tuer. Aguna, mon fils, est incapable de tuer. D'alors on inne. Hey, Nietzsche. Chukongi de Kenem. Egunangi de Kenem. Donc, en vérité, mon fils ne peut pas tuer. Ah. Ojine katatie ka osiele nune a katasule gonu deme. What a weribia. Sona akodi. Salut, maître. Quoi? Attendez, vous dites qu'Agunaya a été relâché? Oh, wow! Mais ça, c'est une superbe nouvelle. Oh oui, c'est une superbe nouvelle. Je l'attendais depuis plus de 2 mois. Oui, c'est une bonne nouvelle. Non, je suis très content, oui, je suis très content. Ah, bien sûr, je vais aller le voir sur le champ. Merci infiniment, maître. Vous savez que vous m'en devez une. Je vous ai invité à mon mariage et vous n'êtes pas venu. C'est bon. Merci infiniment pour cette bonne nouvelle. Agunaya est là? Oui. Merci. Ah! Aguna! Elu melu! Hey! Elu melu! Le diable est un menteur. Un gros menteur! Merci, tu es chez toi. Mega Zugedou, prends place, mon frère. Non, je veux m'asseoir. Prends ok, mon frère, oui. Comme tu veux. Ah. Alors, comment tu vas? Je vais bien. Agunaya, qui est-ce? Et où est ta femme? Qui? Oh, désolé, t'avais pas encore vu Messo. Elle, c'est Messo, ma petite sœur. C'est une jeune diplômée. C'est super. Messo, bienvenue. Merci. Je suis venu ici voir ton père. Je fais dans ma chambre. Ok, d'accord. À plus. Elle est belle, mademoiselle. Alors? Ma femme est partie au marché.
Elle dit vouloir m'accueillir de la plus belle des manières. Ah, je connais ta femme, non? Hein? Je connais ta femme. Alors, comment va ton épouse? Elle va bien. Je m'habitue tout doucement à la vie d'homme. Bienvenue au clan. Merci beaucoup, frère. Mais malheureusement, elle n'était pas à la maison quand j'étais en train d'arriver. Donc, je suis là. Il y a encore du temps. Dis-lui que je la verrai bientôt. Bien et sûr. Et aussi, je suis désolé de n'avoir pas assisté à ton mariage. Ce n'est pas un problème. Hein. La bonne nouvelle, c'est que toi, tu sois sorti. Je suis libre. Exactement. Donc, on peut avoir un autre mariage quand on le voudra. Non, mais entre-temps, célébrons d'abord mon retour. Bien sûr. Je vais apporter une bouteille de champagne. Agunaya. Elumelu. Agunaya. Chérie, je suis contente que tu sois rentrée. Mais l'église est divisée. La moitié de l'église pense que tu as tué Stella à cause des photos. L'autre moitié croit en ton innocence. Mais je dois te dire que Elumeyu a profité de cette occasion pour s'amasser de l'argent pendant que tu étais en détention. Il a acheté des duplex, des voitures et il s'est même marié. Je sais tout ça. Je sais aussi qu'il a payé l'avocat qui s'occupe de mon cas. Malgré ça, l'église ne te verra plus comme elle te voyait avant cette histoire. Même Elumeyu. Alors, qu'est-ce que tu suggères? Tu es un homme de Dieu. Tu es un faiseur de miracles. Je suggère qu'on quitte cette église et qu'on ouvre une autre église. Je crois fermement que d'ici un an, tu auras rebondi. Oui. Pensez. Je comprends que beaucoup de choses se soient passées depuis que je suis parti. J'ai appris qu'à mon absence, tu t'es construit une maison avec les offrandes de l'église. Tu as acheté une nouvelle voiture et tu t'es marié. Agunaya, tout l'argent que j'ai dépensé pour faire toutes ces choses, c'est mon argent personnel. Ma sœur, je n'ai jamais touché à un seul naira du compte de l'église. Et pour te dire vrai, le seul argent qui a été touché dans le compte de l'église a été l'argent pris pour payer ton avocat pour ton affaire. Ok, en dehors de ça, j'ai aussi appris que certains anciens étaient contre moi, m'accusant d'avoir tué Stella tandis que certains me trouvaient innocent. Ils prenaient ma défense, mais c'est pas un problème. Je sais que j'ai encore la puissance de Dieu. Je sais que je peux encore faire des miracles et avoir de l'argent. On recommence les affaires. J'ai un autre plan. Quel plan exactement? Je vais mettre sur pied ma propre église et je te laisserai celle-ci entièrement. Agunaya, tu ne peux pas être sérieux. Tu ne peux pas dire ça. Hein? Comment vais-je être pasteur dans une église? Hein? Dis-moi, comment vais-je faire ça? Non, frère. Le plan était que je finance l'église, tandis que toi, tu es le pasteur. C'est un arrangement qui doit continuer. Donc, si tu construis une nouvelle église, c'est notre propriété à nous deux. À l'heure actuelle, cet arrangement est annulé. Au vu des récents événements, je ne pense pas vouloir encore faire partie de cet arrangement. De toutes les façons, je commence ma nouvelle église. Tu peux continuer en recrutant le pasteur de ton choix. Je ne prendrai rien de l'église. Je te laisse la structure, les membres et l'argent. Tout cela t'appartient. Je te les laisse. Agunaya, je préfère croire que tu ne comprends pas les affaires et les accords. Attends, je vais t'expliquer. Hein? On avait un arrangement, Agunaya. Que je finance l'église et toi, tu en es le pasteur. Et en réalité, ça, c'est mon idée. Et c'est mon argent. J'ai commencé tout ceci. Donc, tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas. Olumelu, en fait, je n'ai aucune obligation envers toi pour être attaché à toi. Ou même d'être ton partenaire. Non, ce n'est écrit nulle part. Je t'ai dit ce que je compte faire. Je veux mettre sur pied ma propre église. Arrête-moi si tu peux. Agunaya, non, mais
Qu'est-ce que tu fais? Agunaya! Agunaya! Je ne vais pas seulement t'arrêter. Tu sais qui je suis. Agunaya! Things they happen, Mama Kulema. Oh no, no, human sorts are so evil. They are doing a sort of things because of money. Human sorts are so dangerous. They can do anything because of money. They are using the name of God to deceive people. They are using the name of God because of money. They are using the name of God in vain. They are using the name of God to steal. Bien venu, chérie. Alors, dis-moi, as-tu réglé les problèmes avec ton ami Agunaya? Agunaya. J'ai essayé de l'appeler deux fois, mais il n'a pas pris mes appels. Tu sais que vous avez traversé beaucoup de choses ensemble. De grâce, essaye de régler vos problèmes. La vérité est que je n'ai aucun problème avec Agunaya. Il peut ouvrir une nouvelle église s'il veut, mais ça doit être une filiale détenue par deux personnes. Si tu le dis, ok. Cherche juste les choses calmement. D'accord? Viens, allons à l'intérieur. Je vais te cuisiner un bon repas. D'accord. Allons-y. Bon, je vous ai employé pour vous occuper de ma sécurité. Ça, c'est mon nouveau duplex. Je vis avec mon épouse. C'est un quartier calme, mais on ne sait jamais qui est son ennemi. Et tout ça, j'ai reçu de bonnes recommandations que vous êtes les meilleurs dans ce travail. Voilà, je compte sur vous. Votre boulot est de vous assurer que cette maison reste en sécurité 24 sur 24. Les caméras de surveillance sont là et vous aurez accès à ça. Et toute la concession est sous vos soins en ce qui concerne la sécurité. Protégez-la et soyez actifs. Réagissez en cas de menace. Je vais aussi vous montrer l'intérieur et tous les lieux que vous devez connaître dans cette maison. Alors à l'intérieur, je vous fais visiter. Ok? Une personne que j'appelais mon ami. Une personne que j'ai aidée à bien gagner sa vie. Quelqu'un que j'ai sauvé de la pauvreté. Comme il se croit devenu très grand, au point de me défier, Elumelu. Ça, ce n'est pas possible. Je ne veux pas que vous le sous-estimiez. Car je le connais très bien. Il est très dangereux. Et c'est pour cette raison que je vous ai tous engagés. Parce que j'ai foi en vous. C'est clair que nous sommes avec vous, boss. Il veut ma mort. Je veux sa mort. En premier. Il veut me tuer, mais je veux le tuer en premier. J'ose croire que ma confiance en vous tous ne sera pas déçue. Pas du tout, boss. Tu peux compter sur nous. Alors buvez.
Nous avons une guerre à mener. Je sors d'une rencontre avec Olumelu. Et il m'a menacé. Je lui ai parlé de mon intention de créer ma propre église et il m'a dit que si jamais je fais ça, tous les deux nous serons propriétaires. Ah! Et si quand même je vais créer ça sans lui, il va me faire la peau. Chérie, tu vois, cet homme est très mauvais. Tu es un homme de Dieu. Tu ne devrais pas t'associer à des non-croyants. Oui! Tu as raison. Il est grand temps qu'on l'arrête, avant qu'il ne nous arrête. Mon amour, nous allons commettre ce péché. Et je sais que Dieu nous le pardonnera. Oui. Alors qu'est-ce que tu suggères que nous fassions? Je suggère qu'on l'élimine, ou qu'on le rende invalide. Ok. Oui. Tu sais que c'est Olumelu qui a tué Stella pour me sauver la vie. Quoi? Mon amour! Donc tu as enduré toute cette humiliation à cause de Olumelu. Tu es allé en prison à cause de lui. Ah! Tu vois ce que je disais? Et Olumelu n'est pas du tout un bon ami. Ah! Bonjour, grand frère. Meso, comment vas-tu? Sois la bienvenue. Merci. Grand frère, tu as l'air mécontent. J'espère que tout va bien. Ne t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Il ne va pas bien. Dis-lui la vérité. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux soulever la poussière où il n'y en a pas? Meso, ne l'écoute pas, tout va bien, je suis juste fatigué. D'où est-ce que tu viens? Ah, de la maison de mon ami, celle avec qui je fais souvent tes affaires. Oh, ok, d'accord. Et c'est bien, bienvenue. D'accord, frérot, je vais changer mes vêtements. D'accord. Je suis très sûr que c'était Agunaya. C'était sa putain de voiture. Mais il s'est attaqué à la mauvaise personne. Parce que je veux lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais. Mais boss, et si? Ce n'était pas lui. Je sais ce que j'ai vu. C'était Agunaya. Je me demande pourquoi il a frappé le premier. Quand c'est moi qui devais envoyer le message d'avertissement. Mais boss, tu vas être sûr que c'est lui. Pour ne pas frapper la mauvaise cible. Je suis très sûr de ce que j'ai vu. C'était la voiture d'Agunaya. Je suis très sûr qu'il était dans cette voiture. Mais je vais lui donner une leçon. Qu'il n'oubliera jamais. Ah. Merde! Comment ça s'est passé? J'ai échoué. Il avait un charme de protection. L'a-t-il vu au l'un de tes gars?
Non, mais je suis sûr qu'il a su que c'était moi. Comment? Ma voiture, peut-être. Oh non! Utiliser cette voiture était une erreur. Oh! Ouais, mais c'était vraiment une erreur. Je savais pas qu'il devait survivre. Ça suffit. Détends-toi. Laisse-moi t'apporter un jus bien frais. D'accord. Comme ça, tu pourras prendre une douche froide, ok? D'accord. Je reviens. Allô? Allô? C'est Joe. Je suis l'un des électriciens qui bosse avec vous au chantier. Pardon. Je voulais savoir si votre boss est sur place. Oui. Je veux parler affaire avec lui. Vous savez, ces grands hommes n'ont pas souvent le temps. Bon, je... Hein? C'est l'un de mes employés qui bosse avec vous qui m'a donné votre numéro. Oui, c'est lui qui m'a donné votre numéro. Oui, oui. Samedi? Désolé, donc vous confirmez qu'il sera là samedi? Oh, ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, hein? Merci. Agunaya, je te jure, tu vas mourir samedi. Je te jure, tu vas mourir ce samedi. Be careful for the places you go now, now. Some are dangerous, some people are not what you think. Dis-moi, quelle est la vraie raison de leur discorde? Ma chérie, tu sais que ton frère a le don de la vision et de la guérison. Mm-hmm. Donc, il voulait commencer ce business, mais il n'a pas d'argent. Okay. Il a prié son ami Elumelu de lui prêter de l'argent. Il a accepté. Mais il a dit à mon mari que tout intérêt qui proviendra de ce business, il se le partagerait 50-50. Mon mari a accepté. Ok. Jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Et Lumelu a alors pris tous les intérêts et a acheté des maisons, des voitures et il s'est même marié. Hein? Avec l'argent de l'église? Hein? Quand mon mari, ton frère, a été libéré, il a découvert ce café Lumelu et a donc décidé d'ouvrir une autre église. Bien fait. Mais Lumelu, l'homme méchant, a dit, même s'il ouvre une autre église, il se partagerait l'argent 50-50. Et peux-tu imaginer? Il est malade? Pourquoi? Mon mari a dit que ça n'arrivera jamais. À présent, Lumelu veut tuer mon mari. Quoi? Attends une minute. Il a dit qu'il veut tuer mon... Oui! Il est stupide. C'est lui qui va mourir. Écoute, laisse-moi te dire, il ne peut rien faire. Je dirai à mon frère de dénoncer cette affaire à la police. Ma chère, Elumelu est un homme mauvais. Je ne connais pas ses plans. Mais nous devons être prudents. En fait, désormais, on doit faire attention. Je n'ai même pas peur de lui. Il n'a qu'à faire son possible. J'ai appris d'une source très fiable que Agunaya ira à son chantier. Et c'est là que nous allons le frapper. Je veux que vous soyez tous prêts. On y va maintenant. Mais boss, est-ce qu'il ira avec ses gardes du corps? Nous devons nous attendre à cela. J'ai appris que ce sont aussi des gardes forts. Malgré ça, on va les éliminer. Que se passe-t-il? Dites-moi, êtes-vous soudainement devenu réticent? Paranoïaque? Hein? Non, boss. Mais c'est bien de connaître la force de ses ennemis.
Très bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. Parce que ce sont tous des petits gars non formés. Bien, préparez-vous tous. On y va tout de suite. Allons-y. Some are using the name of God, starting money from people. Some are calling the name of God in vain. Some are using the name of God for powers and miracles. Some are using the name of God. Oh no. Agunaya. Le bon moment est arrivé. Aguna! Aguna! Aguna, sors de là! Je sais que t'es à l'intérieur! Tu crois pouvoir me tuer? Hein? Tu crois que j'ignore ce que tu comptes faire? C'est moi que tu es venu voir avec ces flamants roses. Je m'appelle Aguna, fils d'Ijele. Je t'emmerde, Aguna! Je dis bien, je t'emmerde! Aguna, je vais te tuer. Tu sais qui je suis? Je suis Elumelo. Je vais t'avaler vivant. Je te le promets. C'est inutile de passer pour un chien enragé. Frère, si tu veux me tuer, tu dois faire plus d'efforts. Tu connais très bien de quoi Ijele est capable. C'est ce que tu trouves à dire? C'est ce qui est vrai. Akunaya, c'est ce que tu trouves à dire? C'est ce qui est. Très bien. Attrapez-le. Attrapez-le! Attrapez-moi cet idiot! Hé! Hey, hey. Je vois. Aguna, dont t'as mené la police à ça. Aujourd'hui est ton jour de chance. Alléluia! Aujourd'hui est ton jour de chance. Mais je te le promets, je vais t'avoir. Les mecs, allons-y. Reviens ici avec tes bébés. Tu n'as même pas honte. Aguna. Ana Aguyeli. Chérie, qu'est-il arrivé au site de construction de l'église? Tu as l'air triste. Que s'est-il passé? Elumelu m'a attaqué avec mes gardes. Et dans la mêlée, il a tué l'un de mes employés. Quoi? Il a fait quoi? Chérie, tu dois mettre la Bible de côté et tuer cet homme! Oui! Il est la cause de nos problèmes. Je vais certainement tuer cet homme. Il m'a poussé à bout. Je crois que je vais lui faire goûter son propre poison. Donc Elumelu a eu le toupet de se rendre au chantier et de tuer les employés. C'est très grave ça. Elumelu a touché la queue du tigre. Maintenant, il va goûter à la couleur du tigre. Oui. Il saura qui je suis. Parole d'un pasteur. Oui, allô? C'est Marc? Bien. Quelqu'un m'a donné votre numéro. J'ai besoin de nettoyeur. J'ai un boulot pour vous.
Ah, l'argent? L'argent n'est pas un problème. Si vous réussissez, je vous payerai une très grosse somme. Très bien, donc comme ça, j'attends le contact. Merci. Be careful the places you go now, now. Some are dangerous, some people don't know what you think they are. Oh yeah. Some are using the name. Alors, pourquoi est-ce que tu m'appelles? Agunaya. Bon, je t'appelle pour t'informer que notre guerre est mise en pause. La raison? Les détectives deviennent trop curieux. Je ne veux pas qu'ils sachent qu'on se fait la guerre. Mais dès qu'ils oublient notre affaire, je te le promets. Je viendrai te chercher. Oui, je te tuerai. Et je continuerai cette église. Crois-moi. Je ferai un beau discours à ton enterrement. Et je ferai que les gens t'aiment encore plus. Et oui. Maintenant, écoute-moi. C'est la dernière fois que tu m'appelles pour me raconter des inepties. Je suis Aguna, le fils de Djele. Je suis le faiseur de miracles. Le porteur de miracles. Ok? Tu ne peux rien me faire. Je sais que tu as hanté ma vie et tu as essayé de me tuer plusieurs fois. Mais laisse-moi te donner un conseil. La prochaine fois que tu essaies de prendre ma vie, n'échoue pas. Parce que je viendrai après toi et je te ferai payer. Hey. Mais je crois que tu oublies un truc. Je suis Elumelu, à Kuitimba. Je vais t'attendre. Be careful the places you go now, now. Some are dangerous, some people don't know what you think they are. Oh yeah. Some are using the name of God. Ils ont tué mon mari. Comment tu dis? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu dis? Je ne comprends pas. Ils ont tué mon mari. Qu'est-ce que tu dis? Mon frère? Ils ont tué? Non. Ils ont tué mon mari? Non! Non! Celui qui a fait ça est stupide! Non. Oui, il est stupide! Il m'a non, fait ça! Il m'a fait ça! Non! Non! Hey. Non! Mon frère, hey. Tu m'as tué! Non! Le monde est méchant! Le monde est cruel! Qu'est-ce que c'est passé? Pourquoi? Non! Oh mon Dieu! Non! Mon frère! Pourquoi? Non! Mon non. Frère. Non, tu ne peux pas pourquoi mourir! Pourquoi avoir tué un homme si innocent? Ah, chérie, tu sais que ces vacances se sont bien méritées. Bien sûr. Donc, après notre voyage, on pourra se détendre et profiter oui. de la vie. Mettons-nous en route pour ne pas arriver en retard. Ok. Merci. Oui. Je vous arrête. Pourquoi? Vous êtes en état d'arrestation. Pour le meurtre de Monsieur Elumelu et ses gardes-corps. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous dans un tribunal. Comment?
Allons-y. Avancez. Chérie, ne t'en fais pas. Je vais appeler ton avocat. Ok, fais-le. Je le ferai. Ils nous retrouveront comme ça. Allons-y. Oh. Madame, excusez-nous. Allons-y. Oh. Allez, avancez, avancez, avancez. Allez, avancez. Ne tentez rien de stupide. Hey! Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.